This morning, once again, let us rise up on our feet this morning as we start the morning service. Let's sing this song, Blessed Assurance, Jesus is Mine. Submission, perfect delight. Oh, perfect submission. Oh, perfect visions of rapture. Oh, yeah, vision of rapture. Angels ascending, oh, angels ascending, one bring from above echoes of mercy. This is my story, this is my song. Oh, this is my story. This is my song. Oh, praise and my this is my song.
Perfect submission, all is at rest. Oh, perfect submission, Lord, all is at rest. Ah, he my Savior. Oh, I am my Savior. Yes, sir. I'm glad, watching and waiting. Oh, yeah, watching and waiting. Oh, looking above, filled with His goodness. My story, this is my song. Oh, this is my story. This is my song. Oh, praise and my Savior. Amen. Before we have the opening prayer, let's sing that song, I Have the Key of C. The love of God is greater far. Oh, love of God, how rich and pure. Oh, love of God.
over time. Love so sure this morning. Oh, God, love so sure. Shall still endure. All men, the children. Oh, and redeeming grace this morning. About that world this morning. Oh, they hope shall fail. Oh, and where the skies, oh, the patch men wear. Where heaven stalk on earth. Of God above. This morning, oh, love of God, thou rich and beyond, thou measure, and strong, it shall forevermore.
give us an open prayer this morning. Commit a tithe and offering it to the hands of the Lord. As we all rise up on our feet for the opening prayer. Let's pray. Our blessed Heavenly Father, surely is your love that's keeping us safe at this time. Heavenly Father, when we think of what we have done, where we've been, but it's still your love that you, every day, you're giving us another chance to make our life right. Heavenly Father, we come into your house this morning, Lord, believing that whatsoever we shall ask shall be given unto us. Forgive our sins and our trespassing. May our sacrifice this morning be accepted in your presence. Let every request that be brought forth from the heart of your people, let it find the answer at your feet, Lord. We appreciate you because you are God. We ask you, may you come down from your glory, be with the song service, the preaching of the word, that at the end of the service, Heavenly Father, may we not go back the way we came. Receive our honor and glory. In Jesus' name we pray and say, amen. Once again, you all welcome to the house of the Lord this morning in the name of the Lord Jesus Christ. Let's have our seat for just a few minutes this morning. I have a song request from our mama this morning. I know her, she has a song. And let's have her quickly this morning. Okay? Blessed be the name of the Lord. I want to dedicate this special song to the bride of Christ. May you be blessed as you listen. Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophet foretold. The Gentiles, they're numbered, with terrors are combat. Eternity soon will unfold. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clean. Look up, your redemption is near. The fig tree is growing, Jerusalem restoring. A nation, a lifelong dethroned. Today she is calling, a latter rain's falling. Return, O despised, to your home. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamp streamed and clear. And many are mistaken, God's meaning to be of the sky. God's church is the power that's shaking this hour. That day of redemption is near. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Yeah.
Praise the name of the Lord. Amen. Once again, you're all welcome to the house of the Lord this morning in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let's rise up on our feet. We still have a few more minutes. Let's sing a couple songs this morning before we change the other of the service. At least we can shake hands. We're in our homes. Shake someone's hands. Welcome them to the house of the Lord this morning. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Of Jesus, oh, and all He has done for me, my very soul cries out, hallelujah, oh, praise God for saving me. Oh, when I'm thinking of the goodness of Jesus, oh, and all He has done for me. Oh, my very soul cries, I am hallelujah. Oh, praise God for saving me. Oh, when I'm thinking of the goodness of Jesus, oh, and all He has done for me, my very soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving. Oh, when I think of the goodness of Jesus, oh, and all He has done for me, my very soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving. Oh yes, when I think of the goodness of Jesus, oh, and all He has done for me, my very soul cries out, hallelujah. Praise God, saving me. I say, wonderful, wonderful, oh, Jesus is to me. Oh, cancel all, grace of peace, mighty God is here. Oh, saving me and keeping me from my sin and shame. Wonderful is my Redeemer, my praise. I say, wonderful, wonderful, oh, Jesus is to me. Cancel all, raise up me, mighty God is here. Oh, saving me, keeping me for my sin and shame. Wonderful is my Redeemer, my praise. Oh yeah, He abides. Oh, He abides. Oh, hallelujah, He abides. I'm rejoicing. That's the work. Oh, for the comfort abide with. Oh, yes, He abides. Oh, oh, yes, He abides. Oh, hallelujah, He abides with me. Oh, I'm rejoicing. That's the work. Oh, Father, comforter, abide with me. Oh, this is the day, this is, oh, that the Lord hath made, that the Lord hath, oh, yes, I will rejoice, and I will, oh, I'll be glad, I'll be glad. Hallelujah, sing, that the Lord hath been. Oh, I will
clame, clame, this is a day, oh, another day that the Lord has made. Amen, amen, blessings and glory, oh, with some thanksgiving and honor. Power and might, oh, be unto our God forever and ever. Have a key of F here. F. I need no other. I need no other. Please. Say now.
need no other argument this morning. Argument this morning. J'espère que cette chanson est juste plus qu'une chanson pour toi ce matin. That it is enough that Jesus died. Que c'est assez que Jésus soit mort. And that he died for me. Et qu'il est mort pour moi. You are all welcome this morning in the name of our Lord Jesus Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. And whatever time it may be, wherever you are listening to, you are all welcome. Qu'importe l'heure à laquelle vous nous suivez, vous êtes bienvenus. Truly, we can say, like David said one time in the scriptures.
Réellement, nous pouvons dire, comme David a dit une fois dans les Écritures, I was glad when they said unto me, let us go into the presence of the Lord. J'étais content quand on m'a dit, allons dans la présence du Seigneur. We are happy to be in His presence this morning. Nous sommes contents d'être dans sa présence ce matin. I believe the Lord bless your heart today in the Sunday school service. J'espère que Dieu a béni vos cœurs dans l'école de dimanche ce matin. I believe the song service also was a blessing. Je crois que le service de chant était aussi une bénédiction. And I believe the Lord will bless you more again as we go into the preaching of the word. Et j'espère que Dieu va encore vous bénir de plus comme nous allons entrer dans la prédication de la parole. Before we invite the minister that will be preaching this morning, avant d'inviter le ministre qui va prêcher pour nous ce matin, I want to remind us for our activity of reading the book of Psalm. J'aimerais nous rappeler de notre activité de la lecture du psaume. Let us continue to make that a point of contact to read the book of Psalm. Continuons à lire le livre de psaume. When the time comes for us to move to the next book, the Sunday school superintendent will definitely let me know. Quand il sera le moment pour évoluer à un autre livre, l'intendant de l'école de dimanche me le dira. Also to the parents, this is the month of April, gradually filling off. Make sure that the kids are working on their young foundation sermons and also have them uploaded. C'est le mois d'avril qui est en train de s'écouler ici, que les parents se rassurent que leurs enfants sont en train de faire leurs devoirs de young foundation et de soumettre leurs devoirs. While we are still, the world is still going through this epidemic period. Comme le monde est encore en train de traverser cette épidémie, I want us to continue to pray for one another. J'aimerais que nous continuions à prier les uns pour les autres. Check on one another. Contacter les uns les autres. And at this time, as the minister comes, I want us to please be reverent in our respective homes. Comme le ministre va venir, j'aimerais que nous soyons en révérence quand le ministre viendra. Let's take it seriously. Dans nos maisons respectives, prenons ça sérieusement. Je crois que Dieu va bénir vos cœurs ce matin. Arguments. Comme nous allons continuer à chanter cette chanson, the minister will please come. It's Pastor Martin Anero preaching this morning. C'est le pasteur Martin Anero qui va prêcher pour nous ce matin. Béni soit le Seigneur. Good morning, church. Bonjour, Église. We're happy once again to be together this morning. Nous sommes contents une fois de plus d'être ensemble ce matin. We are gathered once again around the message of our day. Nous sommes réunis une fois de plus autour du message de notre temps. As that song said, that Jesus had a table spread. Comme cette chanson qui dit, Jésus a une table qui est déjà préparée. Where the saints of God are fed. Là où les saints de Dieu sont nourris. And he invites the chosen people to come. Et il invite son peuple de venir et manger. Praise be to God. Béni soit Dieu. I want to appreciate the pastor. J'aimerais apprécier le pasteur. And the officers of the church, et les officiers de l'église, and the school ministers, et ses ministres, and the engineers that have do all these gadgets, les ingénieurs qui sont en train de mettre toutes ces choses en ordre, members of the assembly, et l'église entière,
The few that are here, those that are home. Le peu qui sont ici et ceux qui sont à la maison. The wife of the pastor. La femme du pasteur. Who has been giving me food to eat. Qui me donne la nourriture pour manger. I appreciate everybody. J'apprécie tout le monde. My prayer this morning. Ma prière ce matin. Is that the Lord will be gracious to all of us. Que Dieu soit gracieux à tous d'entre nous. I make us ready. Amen. Combien sont prêts et nous faire de nous prêts. For his coming. Pour sa venue. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wherever the people are hooked up this morning. Partout où les gens sont connectés ce matin. We are talking to people internationally this morning. Nous sommes en train de parler aux gens qui sont ailleurs. Come back at home in Nigeria. Les gens qui nous regardent à partir du Nigeria. Perhaps in Congo. Peut-être au Congo. Or any other place. Ou qu'importe où qu'ils soient. I say from the depth of my heart, shalom to everybody. Je dis de la profondeur de mon cœur, shalom à tout le monde. Saying that time is always our enemy. Voyant que l'heure est toujours notre ennemi. Let's just bow our heads, not to take too much of our time. Inclinons nos têtes pour ne pas prendre assez de notre temps. Father, we thank you again this morning. Père, nous te remercions une fois de plus ce matin. For bringing us together. De nous avoir amenés ensemble. To fellowship around these living oracles that you have left for us at this same time. Pour communier autour de ces oracles vivants que tu nous as donnés en ce moment. We thank you for the opportunity. Nous te remercions pour l'occasion. We pray, dear God, as we travel through this message you gave this morning. Nous te prions, cher Dieu, comme nous allons parcourir ces messages ce do matin. Do those things that you promised to do whenever you are in the midst of your people. Fais au sein ce que tu as promis que tu vas faire quand tu es au For milieu de. For your prophet said, when you come into the midst of your people. Comme le prophète l'a dit, quand tu viens au milieu de ton you peuple. You do not come as an onlooker. Tu ne viens pas comme un spectateur. Neither do you come as a recording angel. Tu ne viens pas non plus comme you un ange qui. You do not come to bring. Discouragement to us. Tu ne viens pas pour apporter le découragement. You come to answer our prayers. Tu viens répondre à nos prières. You come to meet our needs. Tu viens rencontrer nos besoins. You come to deliver. Tu viens délivrer. You come to heal the sick. Tu viens guérir les malades. You come to fill with the Holy Ghost and refill with the Holy Ghost. Et tu viens remplir du Saint-Esprit. We are grateful, Father. Nous sommes reconnaissants, Père. Do that for us this morning. Fais cela pour nous Whatever ce matin. Whatever our needs might be. Tout ce que nos besoins peuvent être. May you minister to everyone. Que tu puisses répondre Don't à tous et chacun. First bar. Ne nous passe At pas the comme end ça. Of the service, oh God, let there be testimonies that truly we've been in your presence. Qu'à la fin de ce service, qu'il y ait vraiment des témoignages que réellement tu étais au milieu bless de nous. Bless your servant that you have used. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. To lead the songs. Pour diriger les chants. The virtue that has left him, may you replenish him. Les vertus qui sont sorties, que tu puisses, Seigneur, le remplir. Bless my wife that you have used to render a special song. Bénis ma femme que tu as utilisée pour chanter une chanson spéciale. Help me. Aide-moi. Help the interpreter. Aide l'interprète. As we hand over the service unto you. Comme nous allons remettre le service entre ta main. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' precious name, we pray. Au nom du précieux Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et amen. God bless you once again. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Before you sit down, avant que vous ne vous asseyiez, let's just turn our Bible to Romans chapter 8. Prenons nos Bibles dans Romains 8. We will take verses 1 to 10. Nous allons prendre le premier verset au dixième verset. Then you will sit down. Alors vous allez vous asseoir. I will read others that I want to read along with it. Je vais lire d'autres écritures que j'aimerais lire Romans avec ça. Chapter 8. Romains 8. Amen. Amen. From verse 1 to 10. À partir du premier verset jusqu'au dixième verset. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. For the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. I should repeat? No, read it. I already read verse 2. You read verse 2? Okay, I don't understand French.
For verse 3 there, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sent in his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the spirit. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non seulement selon la chair, mais selon l'esprit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne nous soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. So then, they that are in the flesh cannot please God. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. But ye are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. The last verse. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Le dernier verset. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. May the Lord add his blessing to the reading of his word. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. I will read more. Je vais lire plus de. I'm going to Revelation chapter 1. Je vais dans l'Apocalypse 1. Verses 5 and 6. Le cinquième et le sixième verset. Then Revelation chapter 3, verse 14. Après ça, nous allons lire Apocalypse 3, 14. Chapter 1. Apocalypse 5 and 6. 5 à 6. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the priest of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, and had made us kings and priests unto God, his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Finally, chapter 3 of Revelation, and then verse 14, last. Finalement, nous allons lire le troisième chapitre et le quatorzième verset du troisième chapitre d'Apocalypse. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? May the Lord add his blessing to the reading of his word once again. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole une fois de plus. Hallelujah. Hallelujah. So this morning by the grace of God. Alors ce matin par la grâce de Dieu, I want to
I'm not often liking to take my old text when I want to preach. Généralement, je n'aime pas prendre mes anciens textes quand je veux prêcher. But this morning, I just want to, I don't know, do something of that nature. Ce matin, je ne sais pas, j'aimerais juste faire quelque chose de cette nature. I want us to look at the books. J'aimerais que nous regardions aux brochures. So what the title I'm giving to it is that the difference between a spiritual man and a natural man. Et les titres qui leur sont donnés, c'est la différence entre l'homme spirituel et l'homme naturel. The difference. La différence between a spiritual man entre l'homme spirituel and a natural man. Et l'homme naturel. Amen. Amen. There is a difference. Il y a une différence. That is what we want to look at. C'est à cette différence que nous voulons regarder ce matin. Before we start to read, because we are going to read plenty. Avant que nous ne commencions à lire, parce que nous allons lire beaucoup. May I say this? Est-ce que je peux dire ceci? The Bible says, "All have sinned and come short of the glory of God." La Bible dit, tous ont péché et sont tombés de la gloire de Dieu. When the Bible says all, it means all. Quand la Bible dit tout, veut dire tout. It did not accept anybody. Il n'y a pas d'exception. Whether you are educated, que tu sois. Whether you are illiterate, éduqué ou whether you are rich, il est très riche. Whether you are poor, que tu sois pauvre. Whether you are black, que tu sois noir. Whether you are white, que tu sois blanc. Regardless of your position in life, qu'importe ta position dans la vie, you are included in that all. Tu es inclus dans ce tout. Amen. Amen. And the scripture says, "They that are in the flesh." Et l'écriture dit, ceux qui sont dans la chair. That is the natural man. Ça c'est l'homme naturel. Cannot please God. Il ne peut pas plaire à Dieu. The prophet told us. Le prophète nous a dit that there is only one sin. Il y a seulement un seul péché. He said adultery. Il dit l'adultère. Fornication. La fornication. Stealing. Le vol, quarreling, les discussions, smoking, drinking, fumer la cigarette, no matter what other things. He said those are not sin. Il dit ça, ce ne sont pas des péchés. He said they are attributes of sin. Il dit ça, ce sont des attributs du péché. Amen. Amen. He said they are attributes of sin. Il dit ce sont des attributs du péché. He said because you are a non-believer. Il dit parce que tu es un incrédule. That is why those sins are in your life. C'est pourquoi ces péchés sont dans ta he vie. He said but if you are a believer. Il dit mais si tu es un those croyant. Those sins will not be in your life. Ces choses ne seront pas dans ta vie. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Béni soit Dieu. Alléluia. All right. Très bien. The Bible tells us. La Bible nous dit. But we were all born in sin. Nous étions tous nés dans le péché. Shaped in iniquity. Formés dans l'iniquité. We came into this world. Nous sommes venus dans ce monde. Speaking lies. Parlant le mensonge. By the way we were born. De la manière dont nous sommes nés. That is what makes us sinners. C'est ce qui fait de nous des pécheurs. Whether you have never fought anybody in life, que tu n'aies jamais combattu whether quelqu'un you have dans never ta vie, done anything wrong to anybody, que tu n'aies jamais offensé quelqu'un, by your birth, mais par ta naissance, between papa and mama, entre papa et maman, that is what makes you a sinner. C'est ce qui te rend pécheur. Amen. Amen. That is why when the Lord Jesus Christ came here, c'est pourquoi quand le Seigneur Jésus Christ est venu ici, the first doctrine. La première doctrine qu'il a prêchée, il dit, sans que l'homme ne soit né de nouveau, never see the kingdom of God. Il ne pourra jamais voir le royaume de Dieu. I think it will be appropriate. Je pense que ça sera approprié. I will not be in hurry. Je ne veux pas m'empresser. Anytime my time finish, I will leave it. Quand mon temps sera terminé, je vais but laisser ça. But I want ça. You to pick every word that will come. Let's turn to John chapter 3. J'aimerais que tu puisses piquer toutes les paroles que je vais dire. Allons John dans chapter Jean 3. 3. Praise God, hallelujah. Béni soit Dieu, alléluia. John chapter 3, from verse 1. Jean 3, premier verset. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi,
We know that thou art a teacher called from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. What brought us here initially is birth. Ce qui nous a amené ici initialement, c'est la naissance. The relationship between papa and mama produces us. La relation entre papa et maman nous a produit. May I say this as we go on? Est-ce que je peux dire ceci comme nous continuons? It is only when man and woman are married. C'est seulement quand l'homme et la femme that sont mariés. That is the only time that God permits them to live together as man and woman. C'est le seul moment où Dieu leur permet de vivre en tant que homme et femme. That kind of relationship that is done after marriage, outside marriage, cet genre de relation qui se fait en dehors du mariage, is condemned by the word of God. Est condamné par la parole de Dieu. And it must never be done. Et ça ne doit pas être fait. We know there are some laws that some countries have. Nous savons qu'il y a des lois que certains pays ont. They permit girls to have children. Et ils permettent aux filles d'avoir des enfants. And they call the women, whatever it is, they call the single parents. Et ils appellent ces femmes de it is contrary to the scriptures. C'est contraire aux écritures. You cannot be a single parent. Tu ne peux pas être it takes a man and woman to produce children. Ça prend un homme et une femme pour produire des enfants. Right. Wherever such laws are promoted. Partout où cette loi est promue, it is unrighteousness. C'est l'injustice. It is contrary to the word of God. C'est contraire à la parole de Dieu. And that is why you find some girls we go. C'est pourquoi vous allez trouver des filles. I have several children with different men. Ils ont beaucoup d'enfants avec des parents they différents. They turn their body to making money. Ils ont tourné leur corps pour produire de l'argent. Amen. They are waiting. They will reap what they sow. Elles vont récolter ce qu'elles ont semé. The Bible says God is not mocked. La Bible dit on ne se moque pas whatever de Dieu. Whatever a man sow, tout ce que l'homme va planter, c'est ce qu'il va récolter. I'm sorry for deviating. Je m'excuse de m'être dévié, mais like ça c'est la vérité. I used to preach back at home. May I say it here? Je prêchais à la maison, au pays. Est-ce que je peux le dire this ici? This is not the corporate body of the church. You don't have. I will often tell the single sisters there, go to your house, go to your husband's house as a virgin. Comme j'ai l'habitude de le dire à la maison, ça ce n'est pas l'église, l'assemblée toute entière, mais je vais dire ça encore une fois de plus. Toi, fille, va chez ton mari, vierge. Don't live immoral life. Ne vis pas une vie immorale. Proverbs told us that fornication is unclean living. Frère Branham nous a appris que la fornication c'est une vie de souillure. He said, "Don't do it." Il dit, ne le fais pas. The Bible says there is every sin that is committed is without the body. La Bible dit tout péché qui est commis c'est sans le corps. But if that is done, mais ça quand c'est sin fait, against your own body, tu as péché contre ton propre corps. It should not be done. Ça ne doit jamais être fait. Amen. Amen. Frère Branham says, "Where God created woman." Frère Branham dit quand Dieu a créé la femme, he put a veil inside of his body, inside our body. Il a dit il a mis une voile au dedans de son corps. Say nothing else break that veil except a relationship between woman and man. Il dit rien ne peut détruire cette voile sans que ce soit la relation entre l'homme et la femme. That is why the Old Testament. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, when a girl goes to marry, quand la fille va au mariage, in Israel, en Israël. Had a husband live with her. Quand le mari I find avec out that she was not a virgin. Et trouve qu'elle n'était pas une vierge. She will say, he will say it. Il va le dire. They will call the girl. On va appeler la fille. Who did virgin you? Et dit, qui t'a dévergé? And then they will get her at the man who did it. Et on va l'amener chez le garçon both qui l'a fait. Both of them will be stoned to death. Et les deux seront lapidés à mort.
God forbid that such a law should be promulgated in America. Okay, Dieu ait pitié de nous si cette loi était ici. You will not have enough land to bury the dead. Vous n'auriez pas assez de terre pour enterrer les morts. The whole American land will not be enough to bury the dead. Tous les États-Unis ne seront pas assez pour enterrer le mort. That is what the people call civilization. C'est ce que les hommes appellent la civilisation. They are going that way because they don't know God. Ils vont sur cette voie parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Praise God, amen. Béni soit Dieu, amen. Sorry for digressing. Je regrette pour m'être sorti. Let's come again to verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Rentrons au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Before we go to verse 3, may I say something? Avant que nous allons au verset suivant, je vais dire ceci. I will not be in hurry. J'ai dit, whatever we are able to pass before our time lapse, that's it. Ce que nous pourrons dire avant que notre temps ne termine, c'est tout. You know, there was a time somebody asked Jesus a question. Il y avait un moment, quelqu'un a demandé à Jésus une question, a posé une question. Will you not restore the kingdom to Israel? Est-ce que vous allez restaurer le royaume à Israël? The kingdom of God cometh not by observation. Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas par observation. He said, the kingdom of God is within you. Il dit, le royaume de Dieu, c'est en toi. We are all expecting the kingdom of God to come and be established on earth. Nous attendons tous que le royaume de Dieu vienne, qu'il soit établi sur la terre. But you know that now, as we are here now, mais vous savez que maintenant, the kingdom of God is in the heart of the spiritual men and women. Il dit, le royaume de Dieu est dans le cœur de l'homme spirituel et la femme spirituelle. Amen. Amen. Verse 4. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verset 4. Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître, peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the spirit is spirit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. So is everyone that is born of the spirit. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. That is the Lord Jesus Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ discussing with Nicodemus. Qui est en train de discuter avec Nicodème. There he was introducing the new birth. Là, il était en train d'introduire la nouvelle naissance. He said, except a man be born again. Il dit, excepté que l'homme soit né de nouveau. He cannot enter into that kingdom. Il ne peut pas entrer dans ce royaume. Praise God, amen. Béni soit Dieu, amen. Now we can see what makes a man a spiritual man. Mais qu'est-ce qui fait de l'homme un homme spirituel? It is the new birth. C'est la nouvelle naissance. It is the born again. C'est être né de nouveau. That is what makes a man a spiritual man. C'est ce qui fait de l'homme un homme spirituel. The man had that experience. Si c'est l'homme the woman had that experience. Ou la femme a cette expérience. They are now spiritual. Ils sont maintenant spirituels. They are no longer in the flesh. Ils ne sont plus dans la chair. Amen. Amen. I know you understand what I'm talking about. Je pense que vous comprenez ce que je dis. May God help us. Que Dieu nous aide. Now, a man that is born of woman. Maintenant, un homme qui est né d'une femme. Like I say, I don't care who you are. Comme je l'ai dit, ça m'importe peu qui tu es. How rich or poor you are. Combien riche ou pauvre que tu sois. How educated or illiterate you are. Que tu sois illettré ou éduqué. You may be king, monarch, potentate. It makes no difference. Tu peux être un potentat, un monarque ou un roi. But
If you are born of woman, mais si tu es né d'une femme, you are in the flesh. Yes. Tu es dans la chair. And the Bible says, they that are in the flesh cannot please God. La Bible dit, eux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. They can go to seminary. Ils peuvent aller au séminaire. And learn how to preach. Et apprendre comment prêcher. And come out with degrees. Et venir avec des diplômes. And they are given certificates to be ministers. On leur a donné des certificats pour prêcher. For your information. Prêcher. Pour votre information. The ministries, le ministère, are gifts from God. Ce sont des dons de Dieu. Amen. Amen. They are gifts from God. Ce sont des dons de Dieu. If I'm giving this book si to my brother as a gift, ce livre à mon frère comme un cadeau. He doesn't need to go to school to learn how to take it from me. Il n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre comment are le prendre de moi. Me? Est-ce que vous me suivez? I'm just giving it to him. He just take it. Il just appreciate. Il va juste apprécier, c'est tout. Amen. Amen. In Ephesians chapter 4, dans Ephésiens chapitre 4, from verse 11, à partir du 11e verset, we are made to know that Jesus gave to some. On a appris que Jésus a donné he à certains. Gave to some. Il a donné à certains. Apostles. L'apôtre. Evangelists. Évangélistes. Yes, pastors. Pasteurs. Teachers. Enseignants. And prophets. Et des prophètes. For the work of the ministry. Yes, pour l'œuvre du ministère. For the edifying of the body of Christ. Pour édifier le corps for de Christ. For the perfecting of the saints. Pour la perfection des saints. Until we all come. Jusqu'à ce que nous tous to the unity of the faith. Dans l'unité de la foi. Praise God. Amen. Béni soit Dieu. But Abraham taught us fivefold ministries. Frère Branham nous a enseigné pour les cinq ministres. Those are the people he referred to as the carrier or the message of the messenger. Ce sont là les gens sur lesquels il s'est référé comme les gens qui vont apporter le message du messager. And he said they that carry that message. Il dit eux qui vont porter ce have message. Have not learned how important it is to say only what the messenger had already said. Ils ne se sont pas encore rendu compte combien il est important de répéter seulement ce que le messager a dit. He said by adding and subtracting from that message, the revival died down because the message is no longer pure. Il dit, en ajoutant ou en retranchant, le réveil est en train de mourir parce que le message n'est plus pur. Let me say this. Laissez-moi dire ceci. When Abraham was here, quand Frère Branham était ici, he told us, il nous a dit, he said there were many things that were flying all over the place. Il dit, il y a beaucoup de choses qui sont en train he de se voler partout. He was not responsible for. Il n'est pas responsable de ça. He said many other things will come. Il dit beaucoup d'autres choses. He said but don't take new things. Il dit mais ne prenez pas de nouvelles choses. He said the Lord your God. Il dit le Seigneur votre has Dieu. Has made known to you what the truth is. Il vous a montré ce qu'est la vérité. Let me say something. Laissez-moi dire une chose. God, Dieu, through Brother Branham, à travers Frère Branham, brought the message. A apporté le message. That same God. Ce même Dieu who brought the message through Brother Branham, qui a apporté le message à travers Frère Branham is in his children, il est dans ses enfants to receive that message. Pour recevoir ce message. They will not add. Ils ne vont pas ajouter. They will not subtract. Ils ne vont pas retrancher. Amen. Amen. There are so many things people are saying all over the place. Il y a beaucoup de choses que les gens disent partout au monde. It doesn't bother them. Ça ne les dérange pas. When Jesus came, quand Jésus est venu, a time came, he asked the disciples a question. Il est venu une fois, il a demandé aux disciples une question. Who do men say I, the Son of Man, am? Qui est-ce que les hommes dit moi, fils de l'homme, est? Some says he was John the Baptist that resurrected. Les autres ont dit il était Jean Baptiste qui était ressuscité. He was just one of the prophets. Il était juste un des prophètes. So that's what they are saying. Eh? Il dit, it's okay, you leave that. You that are my disciples, who do you say I am? Il dit, ça c'est ce que les autres disent. Hein? Alors laissez ça. Mais vous, mes disciples, qu'est-ce que vous dites and que Peter je suis? Said, et Pierre a dit, thou art the Christ. Il dit, toi tu es le Christ. The Son. Le Fils. Of the living God. Du Dieu vivant. Jesus made some pronouncements. Jésus a fait des déclarations. He said that at Peter. Il dit, toi tu es Pierre. The son of Bar-Jonah. Le fils de Bar-Jonah. He said that thing that you have said. Il dit, la chose là que tu viens de dire. Flesh and blood. La chair et le sang. Not reveal it to you. Ne te l'ont but pas my révélé. Father, mais mon Père, which is in heaven, qui est dans les cieux. And upon this rock, et sur ces I will build my church.
Je vais bâtir and mon the gates of hell shall not prevail against it. Ne vont jamais prévaloir contre cela. Hallelujah, church. Yeah. Amen. The prophet said. Le prophète dit. It means that the gates of hell shall fight against that church. Il dit, yes, ça veut dire que le porte de l'enfer vont combattre contre cette église. But here is our joy. Mais voilà notre it joie. It is thus says the Lord. C'est le ainsi dit the le Seigneur. The gates of hell shall not prevail. Le porte de l'enfer ne vont jamais. No matter how they fight. Il dit combien ils vont combattre. Whatever tactics they apply. Toutes les tactiques qu'ils vont planifier. God says the Lord nous avions le ainsi that cannot fail. Qui ne peut jamais faillir. The gates of hell cannot prevail against the church or the living God. Le porte de l'enfer ne vont jamais prévaloir contre l'église du Dieu vivant. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I'm coming to something. Some people said. Certaines personnes disent that Jesus built that church upon Peter. Que Jésus a bâti cette église sur Pierre. Some say Jesus built it upon himself. Les autres disent il a bâti ça sur lui-même. But to God be the glory. Mais à Dieu soit la gloire. For a true prophet. Pour yes. Un vrai prophète. The word of God always comes to a prophet. La parole de Dieu vient toujours à un prophète. That has been the pattern. C'est ça le schéma. It will still remain the pattern. Ça va toujours rester le schéma. So we are glad that to us in this Jeta age that we find ourselves. Nous sommes contents rather. Dans cet âge de God gentil, has sent nous, a dedicated prophet to us. Dieu a envoyé un prophète à Do nous. Many people don't like what you are saying, Brother Abraham said. Beaucoup de gens n'aiment pas quand tu dis frère Branham. But you cannot remove from the Bible. I can show you some books we read in the Bible. Almost every verse they say as the law. As the Lord said unto Moses. As the Lord told Moses. As the Lord told. You can't remove that from the Bible. Je peux te montrer des livres de la Bible et chaque verset que tu vas lire, on va dire comme Dieu a dit à Moïse, comme Dieu a dit à Moïse. Tu peux pas enlever ça de du livre. Amen. Amen. Brother Abraham said. Très bon homme dit. These things that are happening. Ces choses qui sont en train he said, I'm not the one doing them. Je ne suis pas celui he qui said, le fait. I'm only the one close by where they are being done. Je suis seulement celui qui est proche quand elle se passe. In 1933, en 1933, when he was baptizing in Ohio River, quand il était en train de baptiser dans la rivière Ohio, when the pillar of fire came, the broad daylight, quand la colonne de feu est venue pendant la jour et le jour, et a parlé, as John the Baptist was set. Comme Jean-Baptiste a été envoyé the first coming of Jesus Christ, pour préparer la première venue de Jésus-Christ, tu es envoyé avec un message to the second coming. Pour préparer la deuxième venue. Yes, amen. Amen. It was not Brother Abraham that spoke. C'était pas frère Branham qui avait parlé. Alléluia. Alléluia. That same God, ce même Dieu, at the baptism of Jesus Christ, yes, au baptême de Jésus-Christ, who spoke, qui a parlé. I said, this is my beloved son. Il dit, voilà in whom I well pleased to dwell in. En qui j'ai la joie de demeurer. That same God was the one who bear witness that is the one sending Brother Abraham as a messenger to us. Ce même Dieu qui a fait le témoignage, c'est le même qui fait le témoignage pour frère Branham qui l'envoie à nous. Oh, glory to God. Oh, gloire à Dieu. Let me say something. Laissez-moi dire une chose. When Jesus came, quand Jésus est venu, he came according to the scriptures. Il est venu, yes, conformément aux Écritures. Yes, a virgin will conceive. Yes, une vierge va concevoir. The Bible call it an everlasting sign. La Bible appelle ça a virgin will conceive. Perpétuel. He will bring forth a son. Une vierge his va name will be called Emmanuel. Va and the interpretation is God be with us. Et l'interprétation c'est Dieu avec nous. He came exactly like that. Il est venu exactement he comme was ça. To be born in a manger. Il devait he naître was born dans in a manger. Dans un, was born, he was to be born in Nazareth. Et il he était né born dans, in Nazareth. Dans une étable à Nazareth. Oh man. Oh, oh and me Bethlehem. À Bethlehem. À Bethlehem. What am I talking about? De quoi je parle? Everything that was spoken about him. Tout ce qui a été dit à propos de lui, 100% il fulfilled. 100% il a accompli. The scripture says his bone will not be broken. La Bible dit ses os ne seront pas brisés.
When they were crucified, quand on le crucifiait, one on the right, one on the left, un à droite, un, l'autre à gauche, they came around, break the leg of this one. On est venu, on a brisé le pied de celui-ci. They break the leg of this one. On a when cassé they came to him, they said he was already dead. Quand on est arrivé à lui, il était déjà mort. Écoutez, it was not because he was already dead. C'était pas parce qu'il était déjà mort. Because the scripture says his bone will not be broken. C'est parce que les écritures disent ses os ne seront pas brisés. God watches over his word. Dieu surveille sa parole. To bring it to pass. Pour l'accomplir. If it was just because he was dead. Si c'était seulement parce qu'il était mort. Now tell me why somebody pick a spear and pierce him. Mais pourquoi quelqu'un va prendre une lance et le percer? It was to fulfill scriptures. Et il était en train d'accomplir les écritures. Praise God, amen. Béni soit Dieu, what amen. Are we talking about? De quoi est-ce que nous parlons? There is a difference. Il y a une différence between a spiritual man entre l'homme spirituel and a natural man. Et l'homme naturel. We are coming to it. Nous allons y we arriver. Will look at the books. Nous allons regarder aux brochures. What he says about it. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de cela? Amen and amen. Amen et amen. It's an everlasting sign. C'est un signe perpétuel. It has never happened before. Ça n'a jamais and arrivé. And it will never repeat again. Et ça ne va jamais. If you see a woman une fois de plus, si with pregnancy today, a man is responsible. Qui est enceinte aujourd'hui, il y a un homme qui est responsable de but ça. But that Mary. Mais cette Marie. Hallelujah. Hallelujah. And the angel Gabriel came to Mary. L'ange Gabriel est venu à Marie. He said, "You are blessed among all women." Il dit, tu es bénie parmi toutes les femmes. You are going to conceive and bring forth a son. Tu vas concevoir et tu you vas will call enfanter. His name Jesus. Et tu vas appeler ce for he will save son nom his Jésus. People parce qu'il va sauver from son peuple their sins. De leurs péchés. Jesus has a people. Jésus a son peuple. Amen. Amen. He will save his people. Il va sauver from their son sins. Peuple. De leurs péchés. He has a people. Il a son peuple. And he has told us while he was here. Et quand il he nous said, a dit quand il était ici. That my father has given me past tense. Ce dont mon père m'a donné. He said they will come to me. Il dit ils viendront à moi. He said where they come. Il dit quand no ils viendront. No man shall be able to pluck them out of my hands. Personne ne pourra les enlever because de mes mains. Because my father that gave them to me. Parce que mon père qui me les a donnés. Is mightier than all. Est plus fort que tous. Amen. Amen. For your information. Pour ton information, there is no white child of God that will be lost. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui sera. That is why I used to tell people, look, no matter what the devil will do. C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire aux gens, even if we go for more cost, même si ça va faire le prix de la to mort, to get more whatever he wants. Même si c'est pour avoir plus que ce que there Dieu veut. There is one thing he cannot do. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire. The devil cannot change a seed of God to serpent seed. Le diable ne peut pas changer la semence du Dieu, la semence du serpent. Il ne peut pas le faire. Amen. Amen. So it's just it's a toothless dog. C'est un chien qui n'a pas de dents. Just making noise. Il est juste en train de faire de bruit. Mary met Joseph. Beaucoup ont rencontré Joseph. That she was his pastor. Say this is what angel has told me. Il dit voilà ce que l'ange m'a dit. Joseph said, Joseph what you dit, said, I have heard. I know you have always been a good girl. Il dit, but this tu, one, oh, il dit, ce que tu dis là, is above me. J'ai entendu ça. Je sais que tu es une bonne so fille, mais Joseph ça, là, c'est was plus que not moi. Seeing in his heart. Donc, il était en train de réfléchir was, dans son... Okay. He was not seeing in il his heart. Il avait une idée dans son cœur. To put Mary away. De chasser Marie. So that you don't make her a public example. Pour ne pas la honnir because devant le peuple. You are not married in Israel. Parce que you find in that condition, tu te retrouves they dans will, cette they condition. Will show you to death. Ils vont te lapider à mort. Why he was thinking on that? Pendant qu'il pensait à cela. Hallelujah. Hallelujah. God, who was in the business, Dieu qui était aux affaires, came in the night to Joseph. Il est venu pendant la I nuit said, à Joseph. Joseph. Il dit Joseph, that son of David. Fils de David. Don't hesitate to take Mary to yourself, your wife. N'hésite pas de Mary, your wife. Marie, ta femme. Remember, they have not come together yet. Yes, sir. Rappelez-vous, ils n'étaient and pas encore ensemble. And the angel was calling Mary his wife. Mais l'ange appelait Marie sa femme. That's why Brother Branham told us. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit that you, as a girl, toi. En tant que if fille, you are not ready to marry a boy, si tu n'es pas never encore, you give him a vow. Tu n'es pas encore prête de marier. It is that vow that marries you. Ne lui donne pas ton vœu. C'est ce vœu-là qui vous amen. Marie.
It is that vow that marries you. C'est ce vœu-là qui vous marie. He said what the marriage ordinance does is to come around and make it public and give you license to our body. But if you are engaged, you don't have access to our body. Il dit, c'est que la cérémonie du mariage est faite, c'est tout simplement vous donner cette permission de prendre cette femme et d'être ensemble. Mais si vous n'êtes pas encore marié, tu n'as pas encore droit à son corps. Before we leave that aspect, avant que nous quittons cet aspect, est-ce que je peux dire quelque chose? Rappelez-vous, when you come to the altar, quand vous venez à l'autel, it's a covenant that you are making. C'est une alliance que vous faites. Till death, jusqu'à la mort, do we part. Que vous allez vous séparer. Can we say amen? Est-ce que nous pouvons dire amen? That is the truth. C'est la vérité. Till death do we part. Jusqu'à la mort, we nous allons nous séparer. Better for nous disons c'est pour le meilleur et pour le pire. Don't tell me the brother is so wicked. Ne me dis pas que non, le frère est tellement méchant. C'est pour it's le meilleur et cross. Pour le pire. C'est ta you croix. To carry it. Tu dois la porter. Don't tell me the woman is dirty, is stubborn. Ne me dis pas que it's la femme cross. Est sale. Et you c'est got ta to croix. Carry it. Tu dois la porter. In the house of God, dans la maison de Dieu, we don't believe in divorce. Nous ne croyons pas au divorce. Amen. Amen. We don't believe in divorce. Nous ne croyons pas au divorce. You are married. Vous êtes marié. You are married. Vous êtes marié. A brother used to say back at home, it's your package. Un frère disait, he said, whatever you find in that package, c'est ton paquet. You must be comfortable with it. Tout ce que tu vas trouver à l'intérieur, tu dois être confortable but avec. But Brother warned us and told us, if you want to marry, Frère Branham nous a averti, quand tu veux te marier, he said, pray very, very well. Il dit, prie. He said because it can ruin your entire life. Il dit parce que ça peut ruiner toute ta vie. Because that vow is the death to we part. Ce vœu là c'est jusqu'à la mort. Amen. Amen. All those courts, all those courts that are instituted by men that are breaking marriages, they are contrary to the word of God. Tous ces cours, ces tribunaux qui sont institués par des hommes qui sont en train de casser le mariage, ils sont en train de briser la parole. May I say something? Est-ce que je peux dire quelque chose? A woman have a living husband. Une femme qui a un homme vit un mari. Will leave that husband. Va quitter ses maris. Marry another person. Marier une autre personne. She will never go to heaven. Elle n'ira jamais dans les cieux. I wish I could read something to you here. Oh, j'aurais voulu lire quelque chose pour vous. She will never make heaven. Je quitte mon sujet. She elle ne va jamais. She has said goodbye to God at his economy. Elle a dit au revoir à Dieu dans son économie. Oh man, merci. May God help us. Oh, que Dieu nous aide. I said, may God help us. J'ai dit que Dieu nous aide. All right, let's leave that area. Let me now come to something here. Maintenant, je vais arriver à quelque chose maintenant. Let me not go too far about Mary and Joseph. Je ne veux pas aller loin avec Marie et Joseph. But I can't leave it like that. Mais je ne peux pas abandonner ça comme ça. Let me come back to it. Je vais rentrer à ça encore. You see, when the Lord told Joseph that, quand Dieu a dit à Joseph cela, Joseph relax. Joseph, that was not all the Lord told him. Mais c'était pas tout ce que le Seigneur the Lord told him. When you take this woman to yourself, don't misbehave yourself. Le Seigneur lui a dit quand tu vas prendre cette femme, il faut pas. Until she bring forth that son. Jusqu'à ce qu'elle accouche cet enfant. Don't make any move towards her. Ne fais aucun mouvement vers elle. Joseph obeyed that instruction. Joseph avait obéi cette instruction. Je vais vous dire even if Joseph had decided to misbehave, même si Joseph s'était décidé de se Lord would have rendered Joseph put impotent. Dieu allait rendre Joseph impuissant. Who make a man to talk? Qui a fait que l'homme now, puisse parler? Now who make a man to be dumb? Qu'est-ce qui fait que l'homme soit muet? Qui fait he de l'homme also make a man impotent. Il peut aussi faire his de l'homme impuissant. His word cannot be broken. Sa parole ne peut pas être brisée. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. I say God bless you. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Hallelujah, church. Hallelujah, église. Mary giving birth to Jesus. Marie accouchant à Jésus. That was what broke her virginity. C'est ce qui a brisé sa virginité. I'm not a rascal. Je ne suis pas un. I'm only be honest with you. What happened? Je suis juste honnête envers vous. If Joseph, see, Joseph. Some people believe that Joseph is the father, was the father of Jesus. Certaines personnes croient que Joseph était le père de Jésus. That's contrary to the scriptures. Ça c'est contraire aux Écritures. Jesus would have been an ordinary man. Jésus another sinful man.
une personne ordinaire, un pécheur. He would not have been qualified to be the second Adam. Il ne serait jamais qualifié à être have le deuxième Adam. Have you ever considered that word, second Adam? Est-ce que tu as déjà considéré que c'était the le deuxième Adam? Adam? Le premier Adam. Came literally from the hand of the Creator. Il est venu littéralement without any human instrumentality. Des mains de du Créateur. But God decided to pass through this woman. Mais Dieu a décidé this time Adam, to bring the second Adam. À passer à travers cet instrument pour apporter le deuxième Adam. That is why c'est pour cela. It was immaculate conception. C'était une naissance immaculée. When man and woman are married, quand l'homme et la femme sont mariés, and they live together, et vivent ensemble, because the word says they should multiply and replenish the earth. Parce que la Bible dit ils doivent se multiplier et remplir la terre. S'ils vivent there ensemble, is something that the woman supply, il y a une chose que there la femme donne, that the man supply, et que l'homme aussi donne. That form a baby. Qui forme le bébé. Amen. Amen. That thing that man supply. Cette chose that que thing l'homme that woman donne. Supply. Cette chose que la femme donne. Was created by the Creator. Était créée par le Créateur. In the womb of Mary. Dans le sein de Marie. That was what produced the body of Jesus Christ. C'est ce qui a produit le corps de Jésus-Christ. So Jesus was as if he directly came from the hand of Jehovah as the first Adam. Jésus était comme s'il était venu de main de Jéhovah comme le premier Adam. Some scientists they say they can never believe that. Certains scientifiques disent ils ne peuvent jamais croire à cela. You can never be a Christian if you don't believe it. Yes, tu ne peux jamais être chrétien si so tu ne peux pas croire cela. So the choice is yours. Donc c'est ton choix. But for your information, mais pour ton information, there are going to be people who will believe it. Il y aura des gens qui vont croire à cela. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I wish I could trace our origin. J'aurais voulu retracer nos origines. The origin of the believer. L'origine du croyant. We will talk a little on it. On va en parler un peu. So that this fear of whether I will make it, I will not make it, we die completely in our lives. Pour que cette crainte de soit je vais y aller ou ne pas y aller. We are not saying whether we will make it. Nous ne disons pas si nous allons. We have already made it. Nous sommes déjà là. Before we were born into this place. Avant que nous ne soyons nés dans cette maison. That had been decided and concluded by the Almighty God. C'était déjà décidé et conclu par Dieu. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. God bless you, brother. Que Dieu vous bénisse, frère. Blessed be his holy name. Béni soit son saint nom. Amen and amen. Amen et amen. When Jesus was 12 years, quand Jésus avait 12 ans, they came to Jerusalem to worship or something. Ils sont venus à Jérusalem. When they were going back, quand ils rentraient, they presumed that Jesus has gone ahead. Ils pensaient que Jésus était parti avant eux. And the prophet said, "Don't presume." Le prophète dit, il faut pas prétendre. Don't presume that he's with you. Il ne prétend pas qu'il est avec toi. Be sure he's with you. Sois sûr qu'il est avec toi. How will you know he's with you? Comment sauras-tu qu'il est avec when toi? When you are seeking for the baptism of the Holy Ghost. Quand tu es en train de chercher le baptême du Saint-Esprit. You will have an experience. Tu auras une expérience. But Abraham said, "Watch it." Frère Branham dit, observe ça. How will you know whether he's God? Il dit. Comment saurais-je que c'est Dieu? He said, what were you before? Il dit, qui étais-tu avant? That experience. Cette expérience. What are you? Qui es-tu? After that experience. Après cette expérience. Because it's a permanent change. Parce que c'est un changement God permanent. God coming to dwell the heart of a man. Dieu venant habiter, demeurer dans le corps de l'homme. It doesn't come. And you continue your old habits. No. Il ne vient pas et tu continues avec tes anciens when habitudes. When he comes. Quand il vient. He comes to take over. Il vient contrôler. Oh, glory to oh, God. Oh, gloire. That is why the scripture says, therefore, if any man be in Christ. C'est pourquoi les écritures disent, ainsi si il est une création. Il est une nouvelle créature. All things are passed away. Les anciennes choses sont all passées. All malice. All unbelief. Tout incrédulité. All doubt. Tout doute. All fornication. Toute fornication. All adultery. Tout adultère. All stealing. Tout vol, all whatever, tout n'importe they quoi, are passed away, sont passés. All things becomes new, jusqu'à ce qu'il devient nouveau. Amen. Amen. What makes it new? Qu'est-ce qui le rend nouveau? Écoutez. The natural nature that you have. Donc la nature naturelle which que makes tu you avais. To love the world and the things of the world, which is the nature of the world you are born with. Qui faisait que tu puisses aimer les choses du monde, c'est la nature naturelle que tu étais né avec. Is dead est at morte that time. À ce moment-là. Dead. Morte. Christ take over. Christ
comprend le contrôle. Amen. Amen. May God help us. Que Dieu nous aide. That is why tomorrow, jusqu'à ce que demain, I will never believe that a man that is filled with the Holy Ghost, a regenerated man, je ne vais jamais croire qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit ou régénéré, will fall at the gate of woman. Et va tomber devant I une femme. I don't see it by the scriptures. Je n'ai pas encore vu I ça dans les Écritures. It. Je ne vois pas ça. Amen. Amen. I don't see. I will read some things to you. Je vais lire quelque chose pour vous. Je ne vois pas ça. Praise God, amen. Oh, béni soit. I don't care who the woman is. Ça importe peu qui est. I don't care how much she can display her female flesh. Je ne crois pas que même qu'elle puisse. There is something that holds you. Son corps. Il y a quelque chose qui vous lie. God living in you. Dieu vivant en vous. God cannot go into immoral living. Dieu ne peut pas être dans la vie immorale. When Jesus was here, quand Jésus était he was 100% man, il était 100% God by the Spirit that was dwelling in him. Il était 100% Dieu because dans l'esprit God qui était was dwelling in him without measure. Quand Dieu était en lui, ça n'avait pas de mesure. Jesus was tempted by women. Il dit, Jésus était tenté par he des was femmes. Tempted by money. Il était tenté par l'argent. Was tempted by everything. Il était tenté par and tout. Yet, mais without sin. Il est sorti if sans Jesus péché. Is the same, si Jésus yesterday, est le même. Hier, today, aujourd'hui, and forever, et éternellement, and Jesus et Jésus, is the Holy Ghost et l'Esprit living in you. Vivant en vous. He will live that same life. Il va vivre cette même vie. Amen. Amen. May God help us. Que Dieu nous aide. You have heard some people say the days of miracles are past. Vous avez, they are not converted. Vous avez entendu des gens qui disent que such people are not converted. Ils ne sont pas because convertis. Conversion itself is the greatest miracle. Parce que la conversion that c'est le plus ever happen to man. Qui puisse arriver à un homme. A man that had that experience will never tell you that miracles, the days of miracles are past. Quelqu'un qui a déjà eu cette expérience ne va jamais vous dire because que le jour des miracles sont dépassés. That experience itself is a miracle on its own. Parce que cette expérience en elle-même est un miracle. Alléluia. Alléluia. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let me read something here. Then we go. Je vais lire quelque chose ici. I don't want to. J'ai Alléluia. Beaucoup d'écriture. But Abraham told us Frère Branham nous dit that every man, que chaque homme, every human being, chaque has être five humain senses. A cinq sens. Amen. Amen. Five senses. Cinq sens. See, smell, taste, and feel. Le vu. Le I think I'm correct. Le vu, le toucher, l'odorat, l'écoute. Yeah. Yeah. He said those senses are given to him to contact his earthly home. Il dit, ces sens lui sont donnés pour contacter sa demeure terrestre. If a man is blind, si l'homme est aveugle, he has lost one of his senses. A perdu un de ses sens. He might be here, hearing us talking. Il peut être ici, il he nous entend parler. He wouldn't be able to see what the reaction of the people are emotionally. There are some of us laughing as we are talking. So, il ne pourra pas nous voir. Il ne pourra pas comprendre nos expressions. Il y a certaines personnes qui rient pendant que nous parlons. That does not move us at all. Mais ça ne nous dérange pas but tellement. If he doesn't have sight to see, mais s'il n'a pas les yeux pour voir, he wouldn't know what is happening. Il ne saura pas ce qui se passe. If somebody is not hearing, having hearing problem, si quelqu'un a un he problème has lost de lui, one of his senses. Il a perdu un de ses sens. No matter the noise that will be going on here, malgré le bruit que nous pouvons faire ici, affecting him. Ça ne va pas l'affecter. Amen. Amen. Unfortunately, if somebody is dumb, malheureusement, si quelqu'un est muet, he cannot talk. Peut pas parler. Amen. Amen. There are some who cannot perceive odor. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas sentir l'odeur. In most cases, the people don't even take it serious. Dans beaucoup de cas, les gens ne prennent même pas ça au sérieux. But it is a sense that God has given to you. Mais c'est un sens que Dieu t'a donné. That you are losing. Que tu as perdu. They can stay in a place that is so sticky. Ils peuvent rester dans un endroit I'll be eating in that place. Où ça sent mauvais, mais ils sont en they train don't de manger. Perceive odor. Ils ne perçoivent pas it is as bad as a blind man. C'est aussi mauvais it's as bad as a dead person. La personne qui est morte, la personne qui le muet ou these five senses, ces cinq sens, were not given to us to lead us. Ne nous ont pas été donnés pour nous conduire. They were given to us to
For our earthly contact. Pour le contact terrestre. Amen. Amen. Listen very closely. Écoutez now, attentivement. And the super sense. Et le super sens. Is the Holy Spirit. C'est l'Esprit Saint. The faith of God. La foi de that Dieu. That dwells in you. Qui demeure en vous. This is spiritual man. Oh. Ça c'est l'homme spirituel. Oh. The Holy Ghost. L'Esprit Saint. Is the super sense. Et le super sens. Is the faith of God. C'est la foi de Dieu. That dwells in the soul. Qui demeure dans l'âme. Of a man. D'un homme. Can you say amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? All right. Okay. And if you will let the five senses be yielded to the sixth sense. Si vous laissez que le cinq sens soit contrôlé par le sixième sens, it will guide you and bring all the other five senses under control of that super sense. Ça va vous guider et va apporter tous les autres cinq sens sous le contrôle du sixième sens, du super For sens. For it's so far above the natural sense. Parce qu'il est tellement haut, plus haut que le cinq sens. Listen now. Écoutez maintenant. As the spiritual man is above the natural man. Comme l'homme spirituel est au-dessus de l'homme naturel, is as far as high as the heavens is above the natural man and his five senses. Il est tellement élevé, plus haut comme les cieux sont élevés que la terre, comme l'homme spirituel est plus haut There que l'homme is terrestre. A difference Il y a une différence between a spiritual man, entre l'homme a spirituel, spiritual woman, une femme spirituelle, and a natural man, et l'homme naturel, and a natural woman. La femme naturelle. Amen. Amen. There is a difference. Yeah, we are going to trace the difference. Nous allons retracer la différence. Hallelujah. Hallelujah. It makes you believe things that you cannot see. That is super sense. Ça fait que vous croyez des choses que vous ne pouvez it pas voir. It makes you act where you do not think the five senses will ever where you think the five senses will ever think about it. Ça vous fait agir comme là où vous pensez que les cinq sens ne peuvent pas faire là où vous êtes. This is a striking one. The devil can get into those five senses and lie to you. Ça, c'est le plus important. Le diable peut entrer dans tous les cinq sens et vous mentir. But he cannot touch that super sense. Mais il ne peut pas toucher ces super sens. That is far beyond his reach. C'est aussi loin qu'il ne puisse l'atteindre. That comes from God. Ça vient de Dieu. It's called faith. On appelle ça foi. Faith is that great thing. La foi, c'est cette grande chose. Hallelujah. Hallelujah. So people will go into immoral living. They say, Satan that deceived me. You hear what the prophet is saying? Les gens vont aller dans des vies immorales et dire que Satan, c'est Satan qui m'a fait faire ça. Vous entendez ce que le prophète dit? The devil cannot. Le diable touch ne peut that pas super sense, toucher ces super sens. Which is the Holy Ghost, qui est le Saint-Esprit. The faith of God in your soul. La foi de Dieu dans ton âme. Hallelujah. Hallelujah. I don't care who the woman is. Ça importe peu quelle sorte de femme était. Let her be possessed with all the demons in the whole world. Qu'elle soit possédée de toutes sortes de démons. He that is in you. Mais si c'est lui qui Which is the creator himself. Qui est le créateur lui-même. He's greater than Satan that is on the earth. Qui est plus grand que Satan qui est en elle. Hallelujah, church. Let Hallelujah. Me shock you about Je something. Vais vous choquer à propos de quelque chose. One day the disciples were in the ship and the ship was being tossed. Un jour les disciples étaient dans and le Jesus bateau was et, right there with them. Et Jésus était là and avec they were eux. Giving testimonies about what they had seen him done. Et témoignaient à propos de ce qu'ils l'ont vu faire. Immediately trouble came. Immédiatement le tourment est venu. They were jittery. Et ils étaient they are forgotten that the man they were testifying of was in the boat. Ils ont oublié que la personne sur laquelle ils témoignaient était dans le bateau. Church, let me shock you. Mais non, église, je vais Do vous you choquer. Know Est-ce que vous savez that same Jesus, que ce même Jésus, oh man, oh mon Dieu, not that is in us. Do you know that? Il est en nous. Est-ce que vous le savez? Who do you pray to? À qui priez-vous? The God that you pray to, le Dieu à qui vous priez, is living in you, vit en vous. Amen. Amen. I hope I'm not preaching heresy. J'espère je ne oh, suis pas en train de prêcher l'hérésie. Que Dieu soit miséricordieux. In John chapter 14, dans Jean 14, Jesus wanted to shock the believers. His own disciples. Jésus voulait choquer ses propres disciples. He said, "If you have known me, il dit, si vous m'aviez connu, you should have known the Father also. Vous auriez connu le Père aussi. As from this time onward, as from henceforth, you have known him and you have seen him." À partir de ce moment, vous l'aviez connu et vous l'avez vu.
We have known the Father. Nous avions connu le Père. And we have seen him. Nous l'avions vu. Philip said. Philippe a dit. Lord, show us this Father. Montre-nous what he said in a nutshell is that when we look, now you alone we see. Dit, the Father you say we have known and we have seen. Mm-hmm. We know see him. Ah. Where you see? Il dit, Philippe, en réalité, ce qu'il était en train de dire, il dit, montre-nous ce Père, parce que celui que nous avions vu, c'est toi seul. Quand toi tu nous dis, nous avions vu le Père, nous ne le voyons pas, nous t'avions vu. Montre-nous le Père. As Jesus said, et Jésus a dit, have I been so long with you, Philip? And you don't know me? J'ai été pendant longtemps avec toi, mais tu ne m'as jamais vu. You don't know that anyone that have seen me has seen the Father? Et tu ne sais pas que celui qui m'a vu a the vu Father le Père. Talking about is dwelling in me. Le Père dont je parle demeure en moi. Don't you believe that? Est-ce que tu ne le crois pas? That the Father is in me. Et que le Père est en moi. And I'm in him. Et je suis en lui. As Jesus said that day. Et Jésus dit, you ce will jour-là, know. Vous saurez the Father, que je suis dans le Father Père, me, et le Père you en moi, me, et vous en moi, you. Et moi en vous. Alléluia. Alléluia. Who is the Holy Ghost? Qui est le Saint-Esprit? That is the Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ. C'est le Dieu puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. The people that are preaching doctrine of Trinity. Les gens qui sont en train de prêcher la Trinité. It's because they are natural men that carry Bible. And using the Bible as a using their ministry so called as mail ticket. Ils sont des hommes naturels qui sont en train de porter la Bible et utilisent leur prédication comme si ils étaient comme ils l'ont médité. A natural man doesn't have revelation. Un homme naturel n'a pas de révélation. Revelation is a gift of God to his children. La révélation, c'est le don de Dieu à ses enfants. That is why it's upon this I will build my church. C'est pourquoi il dit sur ça, je vais. They asked Jesus a question one time. On a demandé à Jésus une question. On his lui a posé une question. Disciples said, "Why are you talking to the people in parables?" Il dit, pourquoi tu parles aux gens en parabole? And Jesus said, et Jésus unto dit, you, my disciples. It is given to you to know the mysteries of the kingdom. Il dit à vous, mes disciples, parce qu'il vous est donné de savoir, de connaître mon royaume. He said, but unto them, mais à eux, that is not given, hearing will they hear, they will never understand. Il dit, eux, à qui ce n'est pas donné, ils vont entendre, mais ils ne vont jamais comprendre. Amen. Amen. That is why they say, Father, Son, Holy Ghost are three distinct, recognizable personalities in the Godhead. C'est pourquoi ils disent que non, that's le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est dogme. Ce sont trois choses qui sont reconnaissables et personnables en Dieu. Ça, c'est le dogme, c'est le credo. Yep. But Abraham said, you cannot be a person without being a personality of your own. Il dit, Frère Branham dit, tu ne peux pas être un homme sans avoir la personnalité de toi-même. Si tu es en train de prêcher la Trinité, tu prêches trois dieux. Father, Son, Holy Ghost are titles to one person. Père, Fils, Saint-Esprit. Titles of one person. Ce sont des titres d'une seule personne. The prophet told us. Le prophète nous a dit. He said, in my house. Il dit, dans ma maison. I can put myself in three places. Je peux me placer. Say, I'm en husband position. To my wife. Je suis mari. I'm a father to my son. Je suis père I'm à mon fils. I'm a grandfather to my grandchild. Je suis grand-père à mon petit-fils. He say that does not make me three persons. Mais ça ne me rend pas trois personnes. It's three different titles. C'est juste trois différents husband, titres. Husband, father, grandfather. Mari, père et grand-père. Father, son. Holy Ghost. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Amen. But Abraham said, Father, in the fatherhood, where God was in the fatherhood, was when he was leading the children of Israel from Egypt to Palestine. Il dit, Père, il était Père quand il était en train de guider les enfants d'Israël de l'Égypte en Palestine. Remember, rappelez-vous, when he stopped, quand il s'est arrêté, they will stop. Il s'arrêtait aussi. When he moved, they moved. Quand il s'est déplacé, il s'est déplacé aussi. In that form, he was in the fatherhood. Dans cette forme, il était père. One day, he told Moses, tell the people not to come with their wives. They should prepare themselves because I'm coming to visit them. Un jour, il a dit à Moïse, dis au peuple de ne pas aller avec leurs femmes parce que je viendrai au milieu d'eux. When he came upon the mountain, quand il est venu sur la montagne, they have to make boundary. Nobody crosses it, you will die.
whether you be man or animal. Il devait faire une frontière et personne ne devait dépasser cette frontière parce que tu allais mourir, que tu sois homme ou animal. Because the blood of animal could not perfect any worshipper. Parce que le sang des animaux merci. Ne pouvait pas perfectionner n'importe quel adorateur. But God, mais Dieu, wanted perfect worship. Voulait une adoration parfaite. He formed a body for himself. Il s'est formé in the womb of a virgin. He dwelt the body. Un corps dans le sein d'une femme et all that God was in Christ Jesus. Tout ce que Dieu était en Jésus-Christ. Amen. Amen. Why did he do that? Pourquoi il a fait cela? To share his blood. Pour to cleanse a people. Verser son and sang. And sanctify them so that he can come and live in them. Nettoyer son peuple, le sanctifier pour pouvoir vivre en eux. That same God that nobody could come near. C'est même Dieu, personne ne pouvait s'approcher. Remember the holiest of holies in the temple. Rappelez-vous le saint des saints dans le temple. He's a high priest that goes there once in a year. C'était le souverain sacrificateur qui y allait. He must dress right. Il devait se vêtir correctement. He must observe every instructions. Il devait obéir toutes instructions. If he missed one, if he go inside, he would die. S'il manquait à une seule instruction, s'il entrait, il allait mourir. What was in the holiest of holies? Qu'est-ce qui était dans le saint des saints? Is the ark. C'était l'arche. That contained the Ten Commandments. Qui contenait it was the word of God that was there. C'était la parole de Dieu qui the était là. The word of God is God. We know that. La parole de Dieu c'est Dieu. Nobody could enter there. That's why when he's to go in, they have to tie a rope on his waist. Personne ne devait entrer là-bas. A long rope. Quand il y allait, on if devait he made mettre mistake inside there, he would die. Si il y va, and you cannot go in there to pick him. Et tu ne vas pas y entrer they pour le prendre. They have to use rope. To draw him out. On devait utiliser cette corde pour le retirer. Hallelujah, church. Hallelujah, église. What the blood of animal could not do. C'est que le sang des animaux ne the pouvait pas faire. The blood of Jesus has done it. Le sang de Jésus l'a fait. Today. Aujourd'hui. You know where Jesus died. Vous savez pourquoi Jésus the est mort? The veil that covered that place. Quand il est mort, rent la into two. From top to the bottom. A été déchiré d'en haut vers le bas. Frère Abraham said it wasn't from bottom to top. Frère Branham it's from top to the bottom. To show it was the hand of God that tore it into pieces. C'était la main de Dieu qui a coupé ça en pièces. That was the head of the law. C'était la main de Dieu. Grace is being introduced. La grâce a été introduite. And the prophet said. Et le prophète dit. At that time. En ce moment. To enter. Pour y entrer. It was death. C'était la but mort. But today. Mais aujourd'hui. To fail to enter is death. Manquer d'y entrer, c'est la mort. Yes, sir. There is a difference between a spiritual man and a natural man. Il y a une différence entre l'homme spirituel et l'homme naturel. Yes, sir. A spiritual man veils God. Yes, sir. L'homme spirituel voit God Dieu. God cannot sin. Dieu ne peut pas pécher. Amen. Amen. That is the perfection of a spiritual man. Ça c'est la perfection de l'homme spirituel. Yes, sir. He that is born of God. Celui qui est does né de not Dieu commit sin. Ne fait pas because des péchés. Because the seed of God dwelleth in him. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. No more condemnation. Il n'y a plus de condamnation. Jesus. À eux qui sont oh, en Christ Jésus. Hallelujah. Oh, hallelujah. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let me put this down. Je because my time is ça. Flying. Parce que mon temps est en train de I passer. Don't know. Let me just say something. Laissez-moi dire une chose. Hallelujah. 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 Okay. Okay. Let's look at something. On va regarder quelque chose. I want to read something about spiritual man. Je vais lire quelque chose à propos de l'homme spirituel. Spiritual man. L'homme spirituel. Well, I don't believe. I don't take it. I can't swallow it. Je ne le crois spiritual pas. Man, je ne peux pas. Sin, falling ça. At the gate of woman, Almighty God dwelling in you. Empêché. I don't believe it. Tomber avec les femmes, let's le Dieu puissant before en we come here. Lisons la Bible d'abord let's avant to, que nous arrivions ici. Galatians chapter 5. Allons dans Galates 5. He talked to us about spiritual man and the carnal man. Ça parle de l'homme spirituel et l'homme charnel. Praise God, hallelujah. Oh, béni soit Dieu, hallelujah. Chapter 5. Chapitre 5. Beginning from verse 19. Now the works of the flesh. A natural man is in the flesh. Listen. The works of the flesh are manifest. Galates which 5, are this? Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont adultery, l'impudicité, fornication, l'impureté, uncleanness, la dissolution, lasciviousness,
l'idolâtrie, idolatry, witchcraft, la magie, hatred, les inimitiés, various, les querelles, emulations, la jalousie, wrath, strife, seditions, les animosités, heresies, envies, les murders, drunkenness, revelries, l'excès de table, and such like of the which I tell you before. Je vous as dis I have also told you in time past that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Yes. Adultery and fornication is not put among the fruit of the Spirit. L'adultère et la fornication n'est pas verse 22. Dans le fruit de l'esprit. But the fruit of the Spirit, this is the life of the spiritual man. Yes, the fruit of the Spirit is love. Yes, joy. Peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Yes, sir. Please read it. I'm sorry. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verse 24. Listen very closely. Are they that are Christ, which are the spiritual men and women, have crucified the flesh with the affections and lusts. La loi n'est pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Do you believe that? Est-ce que vous le croyez? That's the Bible. Ça, c'est la Bible. You see a man vous voyez fooling around when he says he's born again, forget about it. Qui est en train de jouer quand il dit qu'il est né de nouveau, oubliez-le. God cannot lie. Dieu the word pas of mentir. God is true. La parole Let every man's word be a lie. Que toute parole d'homme soit mensonge. Amen. Amen. So, oh, my back at home, there are all kinds of dirty and nonsense things that goes on over there. Au pays, il y a toutes sortes de souillures, de choses comme ça qui se passent. Some so-called pastors in the denomination messing up their women in the church. How do you stand and preach before such a woman? Height of hypocrite. Des pasteurs des dénominations qui sont en train de coucher avec les sœurs de l'église. Comment tu peux te tenir là devant et prêcher? C'est l'hypocrisie au haut niveau. I'm in the process of closing. Je suis dans la procédure de terminer. Listen now. Écoutez maintenant. What make a spiritual man? The prophet said, as heaven is higher than the earth. That is how a spiritual man is higher than a natural man. Le prophète dit, aussi éloigné que les cieux sont de la terre, c'est la différence entre l'homme spirituel et l'homme naturel. That is why the prophet said, under no circumstances should a believer marry a non-believer. C'est pourquoi le prophète dit, en aucune circonstance, un croyant doit se marier à une incrédule. I'm reading from the exposition of the seven churches, page 34. Je lis dans les exposés de cet âge, page 34. That is chapter 1, where we read verse 5. It says, unto him that loved us. Il dit, à lui qui nous a aimés. The Bible says, you know, we used to say that, not that we love him, he first of all loved us. Parce que nous chantons cette chanson, c'est lui qui nous a aimés. Unto him that loved us, I washed us from our sins in his own blood. À celui qui nous a aimés et nous a nettoyés de nos péchés de son propre sang. And the prophet said the word wash is actually loose. Le prophète dit ces mots-là veut dire relâcher. Loose us from our sins in his own blood. Nous libérer de nos péchés avec son propre is sang. Isn't that wonderful? But are you spiritual minded? N'est-ce pas ce merveilleux? Est-ce que tu es tu as une pensée spirituelle? A spiritual man, a spiritual woman, a spiritual minded. L'homme spirituel, la femme spirituelle ont eu des pensées spirituelles. Do you catch it? Est-ce que vous it was saisissez? His own blood that loses us completely from our sins. C'est son propre sang qui dénoue complètement. Want me to believe something else besides this? Est-ce que vous voulez que je croie à autre chose? There's somebody else. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Completely means completely complètement from our complètement sins. Complètement de nos péchés. It was not human blood. Ce n'était pas le sang humain. It was the blood of God. C'était le sang de Dieu. Peter called it the blood of Christ. Pierre l'a appelé Paul le called sang it de Christ. The blood of the Lord. Paul l'a appelé le and the blood of Jesus. Le sang not de, du persons, Seigneur et de Jésus. But one c'est pas person. Trois personnes, c'est une seule personne. There is that revelation again. One God, that omnipotent Jehovah God came down, made himself a body by means of a virgin birth, and he dwelt it.
Voilà cette révélation une fois de plus. C'est Dieu omnipotent qui est descendu, qui rend cette révélation une fois de plus pour nous, qui le fait encore. God is a spirit. Dieu est esprit. For him to become human being, pour qu'il devienne un être humain, he want to achieve something. Il veut faire quelque chose. Oh man. Oh mon Dieu. Listen. Écoutez. Now. Maintenant, that it might be the blood of God, ça peut être le sang de Dieu, that will free us, qui va nous libérer, lose us entirely, nous dénouer from our complètement sins, de nos péchés, and present us spotless, et nous présenter before himself, devant with lui, exceeding great joy, avec une joie excédente. You see that you are a saint, c'est soit tu es or you are a sinner, ou tu es pécheur. Yes sir. There is no saint sinner. Il n'y a pas de saint pécheur. There's no drunk sober man. Il n'y a pas un saoulé et sobre. All right. Would you like an Old Testament type? Let us go back to the Garden of Eden. Est-ce que vous avez besoin d'un type de l'Ancien Testament? Allons dans le jardin d'Éden. When the first news came to glory that the son Adam had been lost, did God send an angel? Quand la première nouvelle est venue, que le fils était tombé, est-ce qu'il avait did envoyé another un word like unto us? Est-ce qu'il a envoyé une autre no. comme nous? Non. He came himself. Il est venu lui-même. To redeem that lost son. Pour racheter cet Alleluia. Enfant. God perdu. Did not entrust his plan of salvation to another. Il n'a pas mis son plan de la rédemption he dans quelqu'un d'autre. He trusted only himself. Il n'avait confiance qu'en lui. God was made flesh. Dieu a été dwelt among us. Et a demeuré parmi nous. A redeemed us. Nous a racheté. Unto himself. À lui-même. We are saved nous by the blood of God. Par le sang de Dieu. Hallelujah, church. Hallelujah, Église. Look. Regardez. When somebody is involved in an accident, quand quelqu'un est dans un accident, they say God saved him from that accident. Et on dit it Dieu l'a sauvé de cet accident. Didn't kill him. Ça veut dire que l'accident. When you say you are saved, you are saved from what? Tu es sauvé de quoi? We are saved from sin. Tu es sauvé des péchés. We are saved from unrighteousness. De l'injustice. Right. All right. Okay. All right. His plan of salvation to another, he trusted only himself. Il avait confiance seulement en lui-même. God was made flesh. Dieu était fait chair. Among us. Et a demeuré parmi nous. Us unto himself. We are saved by the blood of God. Et nous a ramenés à lui-même. Nous sommes sauvés par the le sang de Dieu. The eternal God, he dwelt a mortal body in order to take away sin. Le Dieu éternel a demeuré dans le corps do humain this? Pour enlever le péché. You want me to believe I can be a servant of I can never be. Quand je lis c'est ça, tu vois maintenant que moi je crois que je peux être serviteur, je ne peux pas. If the blood of Jesus Christ cannot make you to live above sin, then he died in vain. Si le sang de Jésus ne peut but pas. But Jesus never died in vain. Si le sang de Jésus ne peut pas faire que tu vives au-dessus de péché, c'est qu'il est mort en vain. Mais Jésus n'est pas mort en vain. If you believe. Si tu crois. That a man. That is filled with the Holy Ghost. Qui est rempli du Saint-Esprit. Can be swimming in adultery. Peut-être go ahead and do it. Vas-y et fais-le. When Abraham told us something, Frère he said, went to somebody's house one day. Il est allé dans la maison de quelqu'un une fois. He was a deacon in a church. C'était un diacre dans he said, l'église. When he get to his office or something, he said, all pin up of nude women. Il y avait des photos de femmes nues. Dans he said, office. Doesn't believe the testimony of that man. Il dit, il ne croit pas au témoignage say, de cet homme. No matter what he will say. Il dit, qu'importe he said, because ce qu'il va his spirit is feeding upon those feeding things. Son esprit est en train de se nourrir de ces choses sales. The Holy Spirit. L'Esprit Saint. Is not a feeding spirit. N'est pas un esprit qui se nourrit de ça. It's God himself. C'est Dieu lui-même. Amen. Praise God. Béni soit Dieu. All right, I will soon stop. The eternal God dwelt in mortal body in order to take away sin. Le Dieu éternel a habité dans le corps humain pour enlever le péché. He became the lamb in order to shed his blood and enter into the veil with it. Il est devenu un agneau pour verser son sang et entrer avec lui. Consider this. Since it is the blood of God, considérez ceci, comme c'est le sang de Dieu. It is perfect blood. C'est un sang parfait. And if the perfect blood is losing us from the power and bondage and defilement of sin, then the losing is perfect and complete. Si le sang de Dieu parfait est en train de nous délier de péché, alors le sang est parfait. There is now therefore no condemnation.
Il y a maintenant plus de condamnation. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Qui peut mettre quelque chose it sur is la God tête de quelqu'un? Justified. Élu, declares us righteous. Justifie et nous nettoie. Who is he that condemned? Is Christ that died? Qui est celui qui va le condamner? Romans 8, mort. Romans 8, verses 33 to 34. 33, there 34. It is. His là, death. C'est his la mort. Death gave us the blood. Sa mort nous a donné la vie. The blood has loosed us. Le sang nous a libérés. There is now no condemnation. Il y a plus maintenant de condamnation. How can there be? Comment peut-il l'être? There is nothing to be condemned for. Il y a plus rien que because nous the blood has loosed us from sin. Parce que le sang nous we a délié are du péché. Free. Nous sommes libres. Guiltless. Don't listen to man theory. N'écoutez pas aux théories des hommes. Listen to the word. Écoutez à la parole. You are loosed by the blood. Tu es délié par la parole. Now don't get tied down again by traditions and creeds and organizations. Ne te laisse pas maintenant relier encore par les traditions des hommes et des credos. Tommy. For anybody to say that a man filled with the Holy Ghost will be swimming in adultery, it's a creed. Pour moi, comme c'est un dogme, c'est une human opinion. Qu'un homme est rempli du Saint-Esprit et dans l'adultère, c'est le credo, c'est le dogme. You cannot believe this and believe that. Tu ne peux pas croire à ceci et croire à cela. Amen. Amen. Let me finish. You maintenant, think, je vais you terminer. Think the old man is crazy. Vous pensez I que know what I'm doing. Le vieux listen est, very est, closely. Est fou. Je sais ce que je don't be led astray by listening to those that deny the power of the word and deny that Jesus saves, heals, fills with the Holy Ghost and power. Ne vous laissez pas emporter par ces gens qui disent que non, le temps est passé. Mais croyez que Jésus continue à guérir et délier par sa puissance. You are God free man. Vous êtes un homme libre loose de Dieu. By his own blood. Libéré par son propre if sang. If you still hold your faith to Christ at denominations, si tu tiens ta foi des credos et des dénominations, it is certain by the evidence that you have lost your faith in the word. C'est certain et évident que tu as perdu ta foi dans la parole. You cannot believe this, I believe that kind of theory. Tu ne peux pas croire ceci et croire à cette théorie là. Écoutez. Verse 6. Verset 6. And he had made us kings et il l'a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Unto God, his father. À Dieu, son to père. Him be glory and dominion forever and ever. Amen. À lui soit la gloire et la domination pour au siècle. He had made us. Il a fait de nous. There are certain truths we need to emphasize. Il y a des vérités que nous devons this souligner. This is one of them. Ça c'est une d'elles. He had made us. Il a fait de salvation nous. Salvation is his doing. Le salut, c'est son salvation œuvre. Is of the Lord. Le salut all of grace. La grâce. He redeemed us for a purpose. Il nous a rachetés pour he un but. He bought us for a purpose. Il nous a rachetés we pour are kings, spiritual kings. Nous sommes des rois, des oh, rois spirituels. We are going to be kings upon the earth with him when he sits on the throne. Nous serons des rois sur terre avec lui quand il sera sur son trône. But now. Mais maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. We are spiritual kings. Nous sommes des rois spirituels. And we reign over spiritual kingdom. Et nous régnons sur des royaumes spirituels. It says in Romans 5:17. Dans Romains 5:17. For if by one man's offense death reigned by one, even much more, they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Eddie. Si par une seule personne qui offense la mort règne par un, à combien plus forte raison celui qui reçoit en abondance la grâce et le don de la justice qu'il recevra aussi en abondance. And in Colossians 1:13 says, dans Colossiens 1:13 il dit, who has delivered us from the power of darkness? Qui nous a délivré de la puissance du ténèbre? We have been delivered from the power of darkness. Nous avions été délivrés de la puissance. We have been delivered from witches and wizards and emirates and obanges and all demons. Nous avions été délivrés. Powers of darkness. We have been delivered. Nous avions été délivrés des sorciers et de toute la puissance. Nous avions été délivrés. We are preaching about a man, a spiritual man and a natural man, the difference. Nous parlons de la différence entre l'homme spirituel et l'homme naturel. Look. No witch can come near a spiritual person. Aucun sorcier ne peut venir vers l'homme spirituel. The devil doesn't consider your height. He doesn't consider your size. He doesn't consider your position in life. What the devil fears is God that is in you. C'est que le diable a peur, c'est le Dieu qui est en toi. I'm closing.
Je suis en train de terminer. I'm in the process. Je suis dans la procédure de finir. I'm sorry, pastor. Je regrette, pasteur. Just give me a little time. Donnez-moi quelques minutes. And has translated us into the kingdom. Il nous a changé dans son royaume. Reign of his dear son. We are reigning now. Nous sommes en train de régner avec lui. Right now we reign with Christ. Maintenant là, nous régnons avec What Christ. Is the reign? C'est quoi le Having règne? Having dominion over sin. Avoir la dominion sur Do le you péché. Believe this? Est-ce que vous le croyez? Having dominion over sin, the world, the flesh. Le monde, And the la devil. Chair et le diable. We are dominion over the devil. Nous avons le, la showing forth domination his praise and glory. Showing forth himself. For it is Christ in us. Willing and doing of his good pleasure. Yes, indeed. Even now we are seated in heavenly places in Christ Jesus. Montrant sa gloire, montrant sa force envers le diable, montrant aussi sa force en lui-même, parce que Christ est en nous. Il a envie de faire ce qu'il veut faire dans son propre plaisir. Oui, monsieur. Oui, nous sommes assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Do you believe that? Est-ce que vous le croyez? Listen. I'm closing. Écoutez. Je yes, termine. Yes, I'm closing. Oui, je termine. He made us priests. Il a fait de nous des sacrificateurs. Yes, priests unto oui, him. Des sacrificateurs Offering à lui. Spiritual priests. Offrant des sacrifices spirituels. Spending our lives as a sweet offering unto him. Sanctifiée. Worshipping him in spirit and in truth. Dans interceding and petitioning. Et il priest at kings unto our God. Christ est le prêtre no à wonder notre the world does not appeal to us. Nous n'avons pas We are a au peculiar monde. People. Nous sommes un peuple Zealous particulier. Unto good works. Zélés dans de bonnes œuvres. We have been recreated in him. Nous avions été recréés en lui. To be children like unto our father. Pour être des enfants à notre propre père. Amen. 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 Can you give me 5 minutes? Est-ce que vous pouvez me donner 5 minutes? Please bear with me. Oh, soyez patient envers moi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's see what happened. Nous We allons are preaching voir. On the difference. There's a difference. Nous parlons de la différence. Il y a une différence. The beginning Au of the creation of God. Le commencement de We la are création de Dieu. On this. Listen. Nous allons terminer avec ça. That is who the Lord Jesus says he is. C'est celui dont Jésus dit qu'il est. But those words don't mean exactly as they sound to us. Mais ces paroles ne veulent pas nécessairement dire ce qu'elles sonnent à notre oui. Amen. Amen. Just taking them the way they sound has made some people, in fact, multitudes of people, get the idea that Jesus was the first creation of God, making him lower than Godhead. Juste prendre ça de manière littérale, ça fait que beaucoup de gens même, ont compris ça comme il était le premier né de fils de Dieu et le rendant moindre que Dieu. Then, this first creation created all the rest of the universe and whatsoever it contains. That's alors, what the people are teaching. Alors, ils enseignent que cette première créature a créé l'univers et tout ce qui y sont et toutes les choses qui y sont. But that is not right. Mais ça, ce n'est pas correct. You know that doesn't line up with the rest of the Bible. Vous savez que cela ne s'aligne pas avec le reste the de la words, Bible. The words, these are the words. He what? Is the beginner. Voilà, les paroles veulent dire le commencement. Of the creation of God. Ou bien l'auteur de la création de Dieu. And we are the continuation. Et nous sommes la continuation. Listen. Écoutez. I believe the word. I will take your theory. Je crois à la parole. Je ne veux pas prendre ta théorie. He is the beginner. Now we know for a surety that Jesus is God. Il est le commencement. Maintenant, nous savons avec Very assurance good. Que Jésus He's the creator, John chapter 1, verse 3. Il est le créateur, Jean 1, verse 3. All things were made by him. Toutes choses ont été créées And without lui. Him was not anything made that was made. Et sans lui, il n'y a rien qui soit créé qui n'ait existé. He's the one of whom it is said in Genesis 1:1. C'est de lui qu'on parle dans Genèse 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Au commencement, Dieu a créé les cieux also, et la terre. Also, he says in Exodus 20:11. Il dit aussi dans Exode 20:11. For in 6 days, the Lord made heaven and earth. Au sixième jour, Dieu a créé les cieux et la terre. The sea and all that in them is arrested the seventh day.
Et vous voyez maintenant avec tout ce qui y est, et le septième jour, il s'est reposé. See, there is no doubt that he is the creator. Voilà, il n'y a aucun doute qu'il est le créateur. He was the creator of the finished physical creation. Il était le créateur de la création finie naturellement. Surely, we can see what these words mean now. Sûrement, nous pouvons voir ce que ces paroles veulent dire maintenant. To have any other interpretation would mean that God created God. Avoir une autre interprétation veut dire que Dieu a créé Dieu. How can God be created when he himself is the creator? Comment Dieu peut être créé alors que lui, il est lui-même le créateur? But now, he is standing in the midst of the church. Mais maintenant, il est au milieu de son peuple. As he stands there revealing who he is in this last age. C'est maintenant là révélant qui il est dans cet dernier âge. He called himself the author of the creation of God. Il est l'auteur de la création de Dieu. Listen very closely. Écoutez attentivement. This is another creation. Ça, c'est une autre création. This has to do with the church. Ça, ça a à faire avec l'Église. This is a special designation of himself. C'est une autre désignation de lui-même. He is the creator of that church. Il est le créateur de cette Église. The heavenly bridegroom, l'époux céleste, created his own bride. A créé sa propre épouse. Has the spirit of God. He came down and created the Virgin Mary, the self, from which his body was born. Comme l'Esprit de Dieu est venu sur terre et s'est créé un propre corps dans la Vierge Marie, c'est ainsi qu'il a créé ses propres corps pour lui-même. I want to repeat that. Je vais répéter ça. He created the very cells il s'est créé soi-même dans le sein de Marie, body. Dans ce corps. It was not enough for the Holy Spirit to simply give life to human ovary supplied by Mary. C'était pas seulement assez pour que Dieu donne une vie aux ovaires de Marie. Comme vierge. That would have been sinful mankind producing a body. Ça allait être un homme pécheur en train de créer un corps pécheur. That would not have produced the last Adam. Ça n'allait jamais produire le dernier Adam. Of whom it was said, lo, a body has thou, Father, prepared for me. Dont il est dit, Seigneur, il y a un corps que tu as préparé pour moi. God, not Mary, provided that body. Dieu. Pas Marie a pourvu ce corps. Mary was the human incubator as she carried that holy child and brought him to birth. Marie était juste une incubatrice humaine qui pouvait porter ce corps. He was God man. C'était Dieu homme. He was the son of God. C'était le fils de Dieu. He was of the new creation. C'était une nouvelle création. Man and God met, adjoined. L'homme et Dieu créé et joint. He was the first of this new race. C'était le premier de cette nouvelle race. He is the head of this new race. Il est le commencement de cette nouvelle race. Colossiens 1:18 dit. He is the head of the body, the church. Il est la tête du corps. Who is the beginning, the firstborn from the dead? Qui est le commencement, le premier né des morts? That in all things he might have the preeminence. Que en toute chose il doit avoir la prééminence. 2 Corinthiens 5:17 tells us. Therefore, if any man be in Christ, si quelqu'un est en Christ, he's a new creation. Il est une nouvelle création. All things are passed away. Toutes anciennes choses sont passées. Behold, all things are become new. Voilà, l'ancien est devenu nouveau. There you are. Là, vous you y êtes. You can see that though man was of the old order or creation. Maintenant, vous pouvez voir que même si l'homme était de l'ordre though ancien, we were born by création, woman, bien que nous soyons listen, nés par la femme, now in union with Christ. En union avec Christ, he has become the new creation of God. Il est devenu la nouvelle création de Dieu. Ephesians 2:10 says, "For we are his workmanship, created in union with Christ." Ephésiens 2:10 dit, "Nous sommes une nouvelle créature créée en union avec Christ." With Christ Jesus unto good works. Aux bonnes œuvres. Ephesians 4:24. Ephésiens 4, and that you might put on the new man, which vous, after God is created in righteousness and true holiness. Que vous revêtiez la nouvelle nature de l'homme qui a été créé selon Dieu this, dans la justice. This new creation is not the old creation makeover. Cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création qui a été changée. Or it could not be called a new creation.
Ça ne pouvait pas devenir une nouvelle création. This is exactly what it says it is. New creation. C'est exactement ce que ça dit. It is another creation. Nouvelle création. Si c'est une autre création. Distinct from the old one. Qui est distante de l'ancienne création. No longer is it daily by ways of the flesh. Ce n'est plus comme l'ancienne par la nature de la chair. That was how he dealt with Israel. C'est de cette façon qu'il a traité avec Israël. He chose Abraham. Il a choisi Abraham. Out of Abraham issued through godly Isaac line. Et à travers Abraham, il a créé la lignée à travers Isaac. But now, mais maintenant, out of every kindred, tribe and nation, he has proposed a new creation. À partir de chaque patriarche, tribu et nation, il a créé une nouvelle créature. Listen. He is the first of that creation. Jesus is the first of that creation. Écoutez, il est le premier de cette création. Jésus est le premier de cette création. What God created in the form of man. Que Dieu avait créé dans la forme de l'homme. Now by his spirit. Maintenant, par son esprit. He's creating many sons unto himself. Il est en train de créer beaucoup d'autres fils God, pour lui-même. The creator. Dieu, creating le créateur, himself a part of his creation. Créant une partie de sa création. This is the true revelation of God. C'est ça la vraie révélation de Dieu. This was his purpose. C'était ça son objectif. This purpose to form through election. Cet objectif a été formé That à travers is la relation. Why he could look right down to the last age when all would be over and see himself still in the midst of the church. C'est pourquoi il pouvait regarder au dernier âge quand tout sera terminé et se voir soi-même à travers son peuple. As author of this. Comme auteur de ceci. New creation of God. Nouvelle création de Dieu. His sovereign power. Sa puissance brought souveraine it to pass. A fait que ça By se his own decree. Par son he elected the members of this new creation. Il a élu le membre de cette nouvelle création. He predestinated them to the adoption of children according to the good pleasure of his will. Il les a prédestinés à la nouvelle adoption conformément by his omniscience and omnipotence he brought it to pass. Par son omnipotence et son omniprésence et prescience, il a fait que ça s'accomplisse. How else could he know that he would be studied in the midst of the church receiving glory from his brethren if he did not make sure? Comment l'aurait-il su qu'il serait parmi son peuple recevant la gloire? All things he knew. Toutes choses, il les savait. And all things he worked out according to what he knew in order that his purpose and good pleasure be brought to pass. Tout s'est fait comme il les savait, conformément à son plan pour le bon plaisir de lui-même. Ephesians 1:11. Ephésiens 1, 11. In whom also we have obtained an inheritance. En lui aussi que nous avions obtenu l'héritage. Be predestinated according to the purpose. Étant prédestiné conformément of him who worketh all things after the counsel of his own will. Lui qui a prédestiné toutes choses conformément à son bon the plaisir. The prophet put alleluia here. Le prophète me fait alleluia ici. And he asks a question. Et maintenant il pose la question. Are you glad? N'es-tu pas joyeux? That you belong to him. Que tu lui appartiens? God bless you. Que Dieu vous bénisse. I'm sorry for taking time. Je regrette d'avoir pris de votre let temps. Let me look at the time. Is it 12 yet? Est-ce que c'est 12 heures déjà? I'm sorry. Oh, je regrette. Bear with me. You see, there Soyez are some things I wanted to read here. Voilà, we cannot reach there. Que je voulais lire, it doesn't mais nous sound pas funny. It is true. C'est vrai. C'est marrant, mais c'est let vrai. Let me pass this message across to those who are pulling away from the message, calling Brother Abraham all kinds of names. Maintenant, j'avais voulu juste apporter ces messages pour ces gens qui sont en train de s'éloigner de Frère Branham. I want it right here, but there be no time to read it. Let me j'avais just. J'avais ça ici, mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Frère Branham dit. He said, "Look at the kind of ministry he has given to me." Il dit, regardez au genre de ministère. He said, "Do you think he will give me this ministry?" Est-ce que tu penses qu'il va me donner ce ministère? And allow me to be in error. Et me permettre d'être en erreur? Oh. Oh. Blessed be his holy name. Béni soit son saint nom. In another place, let me just say this one. Je vais dire aussi he said this message of the hour. Il dit ce message de l'heure.
Which is the light of today? Ce qui est la lumière d'aujourd'hui. That we are enjoying. Que nous sommes en train de nous réjouir. Which is the presence of God? Qui est la présence de Dieu? He said, if any man walk away from it. Il dit si quelqu'un s'éloignait de he ça. He said that man is marked with the powers of Satan. Il dit cet homme est marqué avec la puissance he de said, Satan. He said he has no hope. Il a dit il n'a pas d'espoir. Oh, mais I wish I have time to read oh, it. Oh, j'aurais voulu avoir le temps de le lire. May God help us. Que Dieu nous aide. For your information. Pour ton information. Before God sent out a message. Avant que Dieu n'envoie un message. Because he had children, he sent the message to. C'est parce qu'il a les enfants à qui il veut envoyer le message. We human beings. Nous, les êtres we humains. We do not write a letter. Post it to the unknown. Nous n'écrivons pas des lettres. God will not send a message without having people sending the message to. Dieu n'envoie pas. I am happy that I am one of the people. Je suis content que je suis un de ce peuple à qui le message a été envoyé. I received the message. Et j'ai reçu le message. It's working on me. Ça travaille en moi. And I love it. Et je l'aime. I believe what the Bible says I am. Je crois ce que la Bible dit que je suis. Je suis une nouvelle création. I have dominion over sin. J'ai la domination over sur le péché. The world, sur over le monde, the flesh, sur and la chair, over the devil. Et sur le diable. Shalom to your souls. Shalom à vos âmes. I'm sorry. Je regrette. These things are too rich. Ces choses ici sont tellement riches. Inclinons nos têtes. A natural man, un homme naturel, can never please God. Peut jamais plaire à Dieu. In Galatians 5, we have read dans Galates about the work 5, of the flesh. That's the life of a natural man. Que les œuvres de l'homme naturel, ce sont là les œuvres de. But a spiritual man is born from above. Mais l'homme spirituel est au-dessus. In above, we don't lie, we don't cheat, we don't drink, we don't smoke, we don't fornicate, we don't commit adultery in above. Mais là en haut, nous ne mentons pas, nous ne trichons pas, nous ne faisons pas la fornication. Nous ne we have dominion over all those things. Nous avons la domination sur toutes ces choses. I'm sorry once again. Is there anyone that wants to be remembered in prayers? Je regrette une fois de plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être qui veut que je me rappelle your hand wherever you are. Dans la prière, levez votre main partout que vous soyez. To the Lord. Vous remettre à Dieu. Pastor, pasteur, can you stay forward? Est-ce que tu peux venir and pray for us? Et prier pour nous? I will always apologize. Je vais toujours. I'm sorry, I don't mean it. M'excuser. Je m'excuse. Bear with me. Soyez indulgent envers moi. Just pray for us. I'm sorry. Juste prie pour nous, je regrette. Shake me anyhow. Serre ma main n'importe comment. Having heard the word of God this morning, stroke this afternoon. Ayant entendu la parole de Dieu depuis ce matin jusqu'à cet après-midi. I always believe that when God sends forth His word, there's a purpose why that word is sent forth. Je crois toujours quand Dieu envoie un message, il y a l'objectif pour lequel il l'a envoyé. Remember that the word of God is not a suggestion to us, His children. Rappelez-vous, la parole de Dieu n'est pas une suggestion à nous, ses enfants. But it's a commandment for us to keep. C'est un commandement pour que nous puissions garder. If you've heard the word of God today, si tu as entendu la parole de Dieu aujourd'hui, and it has spoken to your heart, et elle t'a parlé, why don't you say, Lord, help me? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, aide-moi? The difference between a spiritual man and a natural man. La différence entre l'homme spirituel et l'homme naturel. There is no way that a natural man can please God. Il n'y a pas un moyen pour que l'homme naturel plaise à Dieu. Because he is still in the flesh. Parce qu'il est toujours dans la chair. But a spiritual man's life is renewed by the Holy Ghost. Mais la vie de l'homme spirituel est renouvelée par le Saint-Esprit. This comparison that has been made today. Cette comparaison qui a été faite aujourd'hui. You have to belong to one of them. Tu dois appartenir à l'un d'eux. My question to you this afternoon. Ma question pour toi cet après-midi. Which category do you fall? Dans quelle catégorie es-tu classé?
If you are still a natural man, si tu es encore un homme naturel, all hope is not lost. Tout espoir n'est pas encore perdu. That's why God sent forth His word. C'est pourquoi Dieu envoie son sa parole. Why don't you say, Lord, help me? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, aide-moi? If by His grace you find yourself to be a spiritual man, si par sa grâce tu te retrouves être un homme spirituel, remember there is always more of Him. Rappelez-vous, il y a toujours plus de lui. One time, Brother Branham made a statement. Une fois, Frère Branham a fait cette déclaration. He said, "If I refer to Brother and Sister Kidd, they are the oldest in this auditorium now." Il dit, si je me réfère à Frère et Sœur Kidd, ils sont le plus âgés dans cet auditoire maintenant. He said, "If I ask them what their heart desire is." Si je leur demandais quel était les désirs de leur cœur. He said, "They will say more of God." Ils vont dire plus de Dieu. There is always more of God. Il y a toujours plus de Dieu. Why don't you hold your request in your heart while we approach the throne of mercy? Pourquoi ne pas garder cette requête dans ton cœur comme nous allons nous approcher de son trône? Our most gracious heavenly Father. Notre plus précieux Père céleste. Thou the King of Kings. Toi le roi de rois. Thou the Alpha and Omega. Toi l'alpha et l'oméga. Your children come before you this afternoon. Tes enfants viennent vers toi cet après-midi. After we've heard your word. Après que nous ayons entendu ta parole. Your word has been preached unto us. Ta parole nous a été prêchée. Heavenly Father, we present ourselves unto you because we all realize that we need more of you. Père céleste, nous nous présentons à toi parce que nous réalisons que tous nous avons besoin plus davantage de toi. I pray, Heavenly Father, may you meet with the needs of your children wherever they may be at this hour. J'ai prié, Père céleste, que tu puisses répondre aux besoins de tous tes enfants partout où ils sont maintenant. If there be anyone that still finds himself to be a natural man, s'il y a quelqu'un qui se retrouve encore être un homme naturel, Lord Jesus, while others you are blessing, do not pass them by. Seigneur Jésus, pendant que tu es en train de bénir les autres, ne le passe pas. Minister to their hearts, O God. Ministre à leur cœur, Père. Open their eyes to see the plan that you have made for us to come back to you. Ouvre leurs yeux pour voir le plan que tu as fait pour que nous puissions te revenir. Grant it, Heavenly Father. Accorde-le, Père céleste. If there be anyone seeking for the infilling of the Holy Spirit. S'il y a quelqu'un qui cherche encore le remplissage du Saint-Esprit. Lord Jesus, may you fill them with your Spirit. Père, que tu puisses le remplir de ton Saint-Esprit. Heavenly Father, once again we approach your throne of mercy to ask for mercy this afternoon. Père céleste, nous approchons ton trône de grâce pour demander la grâce ce soir. As we start a new week. Comme nous allons commencer une nouvelle semaine. We once again ask, O God, that you have mercy for this pandemic that is flying across. Père, nous demandons que tu sois miséricordieux pour cette pandémie qui est en train de ravager. For the sake of your children. Pour à cause de tes enfants. For the sake of the gospel. À cause de l'évangile. I pray, Heavenly Father, may you bring a stop to this. Je prie, Père céleste, que tu puisses arrêter cette histoire. In the name of our Lord Jesus Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Heavenly Father, we also want to remember your children that are police officers, that are doctors, that are nurses, those are essential duties. Père, nous voulons aussi nous rappeler de tes enfants qui sont des policiers, qui sont des infirmiers, qui sont en première ligne. These ones that are in forefront, Heavenly Father. Ceux qui sont en première ligne, Père. We pray, Lord, may you continue to watch over them. Que tu puisses, Seigneur, continuer à les protéger. May you continue to protect them. Que tu puisses le garder. Heavenly Father, those one way or the other that have been touched by this virus. Père, ceux qui sont touchés par cette maladie, qu'importe comment. We come before your throne of mercy that you flush it out of your system, O God. Père, nous venons devant ton trône pour demander que tu puisses sortir ça de leur système. In the name of our Lord Jesus Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Grant it, Heavenly Father. Accorde-le, Père céleste. We worship your holy name. Père, nous adorons ton Saint-Nom. We exalt your holy name. Nous exaltons ton Saint-Nom. We magnify your holy name. Nous magnifions ton Saint-Nom. Because you are the only one that is worthy of our praise. Parce que tu es le seul qui soit digne de notre adoration. Thank you, Heavenly Father. Merci, Père Céleste. We want to remember your servant that you've used. Nous voulons nous rappeler de ton serviteur que tu as utilisé. Both the preacher and the interpreter. Le prédicateur et l'interprète. I pray, Lord Jesus, may you bless them. J'ai prié que tu puisses, Seigneur, le bénir. May you strengthen them. Que tu puisses leur fortifier. Grant it, Heavenly Father. Accorde-le, Père céleste. If it be your will that we are still here on the surface of this life by this Thursday. Si c'est ta volonté que nous sommes encore sur cette terre le jeudi prochain. May you help us to gather again for more of your blessings. Que tu nous aides à nous rassembler encore une fois de plus pour avoir plus davantage de bénédictions. May your blessings continue to abide with us. Que tes bénédictions continuent à demeurer envers.
Père. In Jesus' mighty name we pray. Au nom de Jésus, très puissant, nous prions. Amen. Amen. We want to thank God for the way he has blessed us today. Nous voulons remercier Dieu de la manière dont il nous a bénis aujourd'hui. When God sends his word, quand Dieu envoie sa parole, there is a purpose behind that. Il y a un objectif derrière. My earnest desire, my prayer, mon désir ardent, ma prière, is that that purpose will not be defeated in any of our lives. Que cet objectif ne connaisse pas l'échec dans nos vies. By the grace of God, par la grâce de Dieu, if we are still here, si nous sommes encore ici, on Thursday, le jeudi, we will be gathered again. Nous allons encore nous there rassembler. Is always more of God. Il y a encore plus d'avantages de what Dieu. What is this word doing in our life? Qu'est-ce que cette parole fait dans nos vies? It's preparing us to live here. Elle nous prépare pour quitter ces lieux. Don't get tired of this word. Ne sois pas fatigué de don't cette get parole. Tired of listening to the tapes. Ne te fatigue pas d'écouter les bandes. Don't get tired of reading your Bible every day and praying every day. Ne te fatigue pas de lire ta Bible chaque jour et de prier chaque jour. When we come into his presence like this, quand nous venons dans sa présence comme ça, and we hear his word, et nous entendons sa parole, where we need correction, God corrects us. Là où nous avons besoin de la correction, il nous corrige. Where we need encouragement, he encourages us. Là où nous avons besoin de l'encouragement, il nous encourage. Preparing us all for that homegoing. Il nous prépare tous pour ce retour à la maison. May the Lord bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. As we sing that song, to be like Jesus. Comme nous allons chanter cette chanson, to être be like comme Jesus. Jésus. Être comme all earth, I long to be like him. Partout, j'aimerais être comme Jésus. I believe that's your desire. Je pense que c'est ton désir. Before we go, let's sing this song. Let's dismiss with this song. I think it's the key of G. By the grace of God, we'll be back here. I am resolved no longer to linger. We'll be back here on Thursday. Our sitting time is 7 p.m. And the song service starts at 7:30. You're all welcome once again. Amen. Let's start. Let's sing that song. I'm resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Amen.
works of love. I will hasten to thee, hasten so glad and pray. Oh, Jesus, great as I am, I will come to thee. Oh, by the Bible.